La pièce de théâtre, quel auteur, etc. Donc, tout doucement, après, vous souvenez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À part vivre la francophonie. Vive le théâtre aussi. Oui, je voulais vous dire que je veux, avant qu'on démarre, qu'il y ait un applaudissement énorme ici pour donner du courage à tous ces gens qui vont lire. Ok, j'entends bien. Il y a du frac, il y a tout, donc je veux des encouragements, ok? Voilà, alors, bonne fête de la francophonie, et merci à tous, mes amis, merci. On démarre. Alors, Colette, c'est l'être, Giraudoux, qui t'intéresse. Vas-y, Colette. Bonjour, donc, je vois que c'est à moi de retenir l'honneur d'ouvrir le feu. Je ne suis pas comédienne, donc je ne suis pas de mon mieux. Est-ce que je veux dire un petit mot sur ma pièce? Donc, Giraudoux a présenté sa pièce pour la première fois en 1937 au théâtre de l'Athénée à Paris. Et la mise en scène, pour la première fois, était de Louis Jouvet. Et pour lui, Giraudoux caractérise sa pièce comme une tragédie bourgeoise, où il mêle tragédie et humour. Bien sûr, il a repris le personnage des lettres, personnage dramatique, à partir de, dans le théâtre d'Eschyle, de Sophocle et de Ripide, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, sa pièce se compose de deux actes, et moi je vais vous présenter dans le deuxième acte, la scène 3, la confrontation entre Clytemnestre et sa fille, Électre, sa fille qui est en quête de vérité et de pureté, de vérité concernant le meurtre, enfin la mort, parce qu'elle ne sait pas encore qui a tué, la mort d'Agamemnon. Agamemnon, vous vous rappelez, qui avait sacrifié sa fille Iphigénie, parce que les vents étaient contraires et la flotte grecque ne pouvait pas arriver au port. Donc, voilà. Clytemnestre. Et bien sûr, elle lui révèle
pas encore qu'elle a tué Agamemnon, son père, le père que Électre n'a jamais connu d'ailleurs, mais elle adorait. Et elle lui révèle qu'elle le haïssait. Voilà donc la tirade de Clytemnestre. Oui, je le haïssais. Oui, tu vas savoir enfin ce qu'il était, ce père admirable. Oui, après 20 ans, je vais m'offrir la joie que cette offerte agate. Une femme est à tout le monde. Il y a tout juste au monde un homme auquel elle ne soit pas. Le seul homme auquel je n'étais pas, c'était le roi des rois. Le père des pères, c'était lui. Du jour où il est venu m'arracher à ma maison, avec sa barbe bouclée et cette main dont il relevait toujours le petit doigt, je l'ai haï. Il le relevait pour boire, il le relevait pour conduire le cheval sans balatine. Et quand il tenait son spectre, et quand il me tenait moi-même, je ne sentais sur mon dos que la pression de 4 doigts. J'en étais folle. Et quand dans l'aube, il livra à la mort ta sœur Iphigénie, horreur. Je voyais aux deux mains le petit doigt se détacher sur le soleil. Le roi des rois, quelle dérision! Il était pompeux, indécis, niais. C'était le fa des fas, le crédule des crédules. Le roi des rois n'a jamais été ce que ce petit doigt et cette barbe que rien ne rendait lisse. Inutile l'eau du bain sous laquelle je plongeais sa tête. Inutile la nuit de faux amour où je la tirais et l'emmenais. Inutile cet orage de Delphes sous lequel les cheveux des danseuses n'étaient plus que des crins. De l'eau, du lit, de la veste, du temps, elle ressortait en or avec ses annelages. Et il me faisait signe d'approcher de cette main à petits doigts. Et je venais en souriant. Pourquoi ? Et il me disait de baiser cette bouche au milieu de cette toison. Et j'accourais pour la baiser. Et je la baisais. Pourquoi ? Et quand, au réveil, je le trompais, comme Agathe, avec le bois de mon lit, un bois plus relevé, évidemment plus royal, de l'amboine, et qu'il me disait de lui parler, et que je le savais vaniteux, vide aussi, banal, je lui disais qu'il était la modestie, l'étrangeté, aussi la splendeur. Pourquoi ? Et s'il insistait tant soit peu, bégayant, lamentable, je lui jurais qu'il était un dieu. Roi des rois, la seule excuse de ce surnom est qu'il justifie la haine de la haine. Sais-tu ce que j'ai fait le jour de son départ, Électre, son navire encore en vue? J'ai fait immoler le bélier le plus bouclé, le plus indéprisable, et je me suis glissée vers minuit dans la salle du trône, toute seule, pour prendre le spectre à pleine main. Maintenant, tu sais tout. Tu voulais un hymne à la vérité? Voilà le plus beau. Alors maintenant, c'est au tour du misanthrope. Molière, acte 2, scène 1, qui doit être lu en grec. Nikos Malia, un sarcophos, Alceste et Célimène. Μολιέρου της άνθρωπος, πράξη δεύτερη, σκηνή πρώτη, ο έρωτας είναι πικρός, σκηνή ανάμεσα στον Αρσέτ και την Σελήμα. Εγώ είμαι ο Νίκος, ο Βενισάλη. Έτσι. Αρσέτ.
Κυρία μου, θέλετε να σας μιλήσω καθαρά. Η συμπεριφορά σας μου είναι δυσάρεστη και μου φαρμακώνει την καρδιά. Νιώθω πως η σχέση μας πρέπει να τελειώσει και αν μιλούσα διαφορετικά, θα σας έλεγα ψέματα. Έτσι κι αλλιώς, κάποια μέρα θα χωρίσουμε. Και χίλιους όρκους να έπαιρνα μπροστά σας, δεν θα μπορούσα να φτιάξω. Α, γι' αυτό θελήσατε να με φέρετε ως το σπίτι μου, για να με μαλώσετε εδώ μέσα. Δεν είναι σκοπός μου να σας μαλώσω. Αλλά αν θέλετε να ξέρετε ότι βλέπω πόσο εύκολα αφήνετε ανοιχτό το δρόμο της καρδιάς σας στον πρώτο τυχόντα. Βλέπω να σας πολιορκούν πολλοί θαυμαστές και αυτό μου είναι αδύνατο να το ανοιχτώ. Και φταίω εγώ που με ρωτεύονται οι άντρες. Μπορώ να τους το απαγορέψω. Και τι να κάνω όταν με πολιορκούν, να αρπάξω ένα ξύλο και να τους κυνηγάω. Δεν μίλησα εγώ για ξύλα. Το μόνο που είπα είναι να κρατάτε την καρδιά σας λιγότερο εύκολη και να δείχνετε πιο αυστηρή. Ξέρω πως όπου πάτε γοητεύετε τους άντρες. Εκείνοι σας πλησιάζουν και εσείς δεν τους αποθαρρύνετε. Αντίθετα, τους δίνετε ελπίδες και εκείνοι μαζεύονται γύρω σας, όλο και περισσότεροι κάθε φορά. Νομίζω πως αν η φιλαρέσκειά σας ήταν πιο συγκρατημένη, οι θαυμαστές γύρω σας θα μειώνονταν. Αλήθεια, κυρία. Πείτε μου, τι έχει πάνω του ο τυχερός Κλιντάρντ και σας αρέσει τόσο, γιατί δείχνετε να τον εκτιμάτε, μήπως σας μάγεψε το μακρύ νύχι στο μικρό του δάχτυλο, μήπως σας άμπωσε η βανάκια της αντιπερούκα του, μήπως γοητευτήκατε από τις δαντέλες και τις κορδέλες του, μήπως σας κατάκτησε με τα μοντέρνα ρούχα του, μήπως σας συγκίνησε το γάργαρο του γέλιο και η υψηλή φωνούλα του, πάντως του δείχνετε αδυναμία. Με το Κλιντάρντ είναι αβάσιμες και άδικες. Εξάλλου, εγώ τι να κάνω. Μου έχει υποσχεθεί ότι θα βάλει όλους τους φίλους του μέσα για να κερδίσω τη... μέσω για να κερδίσω τη δίκη μου. Εγώ θα προτιμούσα να χάσετε τη δίκη παρά να καλοπιάνετε με έναν αντίζηλό μου, γιατί αυτό με θίγει. Εσείς θίγεστε με τον παραμικρό, γιατί υποπτεύεστε τους πάντες και τα πάντα. Επειδή βλέπω πόσο εύκολα εσείς δέχεστε τους πάντες και τα πάντα. Μόνο σας το είπατε. Δέχομαι τα πάντα. Άρα, ηρεμήστε. Η ευγενική μου διάθεση προσφέρεται σε όλους. Θα είχατε κάθε λόγο να δεχτείτε αν έδειχνα φανερή προτίμηση σε κάποιον συγκεκριμένο. Λέτε ότι ζηλεύω και ότι θίγομαι. Και εγώ λέω ναι, γιατί κυρία μου, τι παραπάνω έχω εγώ από τους άλλους. Την ευτυχία να ξέρετε πως αγαπάω εσάς. Και ποιο λόγο έχει η φλογισμένη μου καρδιά να το πιστεύει αυτό. Τον ένα και μοναδικό, πως σας το ομολογώ εγώ. Να είμαι σίγουρος πως το έχει το ομολογήσει μόνο σε μένα. Η ζήτηση σας με κολακεύει, όμως μείνετε ήσυχος, κύριε. Πώς να μείνω ήσυχος, αλλά και γιατί να μην μείνω, αφού σας αγαπάω τόσο. Όμως δεν σας κρύβω πως κάνω τα πάντα για να ξεπεράσω αυτή την αγάπη μου για σας, χωρίς ποτέ να το καταφέρνω. Φαίνεται πως πληρώνω πολλές αμαρτίες με αυτό τον έρωτά μου. Προλάβατε και κάνατε τόσες πολλές αμαρτίες. Γιατί ο έρωτάς σας είναι αφόρητος. Μη μου το λέτε μέρα αυτό βιώνω. Κανείς δεν σας αγάπησε όπως εγώ. Αυτό ξαναπείτε το, μήπως και το συνειδητοποιήσετε. Εσείς, κύριέ μου, όποιον άνθρωπο αγαπάτε τον βρίζετε. Και ο δικός σας έρωτας, κύριέ μου, μιλάει μόνο με λέξεις πικρές. Ποτέ δεν ξανακούστηκε έρωτας τόσο πικρόχολος. Στο χέρι σας είναι να γίνει αυτή η πικρή χολή γλυκιά σαν μέλι. Ας σταματήσουμε τους καυγάδες. Και ας μιλήσουμε ειλικρινά, κυρία. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πω μια πράξη, την τέταρτη πράξη, από την Ανδρομάχη και είναι ο ρόλος μου να πω για την Ερμιόνη. Θα μου κάνει την Ερμιόνη, δηλαδή, που απευθύνεται στον Πύρο και που δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση της. Je ne te pointe, mais cruel. Qu'ai-je donc fait? Je te tenais pour toi le vrai de tout mon prince. Je t'ai cherché.
cherchais moi-même au fond de ta province. J'y suis encore, malgré tes infidélités et malgré tous mes Grecs honteux de me border. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour de ma jure. Je crus que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rendrais un cœur qui m'était dû. Je te mets constant. Qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient tranquillement, si tranquillement, m'annoncer le trépas. Ingrat, je doute encore, je ne t'aime pas. Mais Seigneur, s'il est faux, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre nom, j'y consens. Mais du moins, n'efforcez pas mes yeux d'en être le témoin. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être. Différez-les d'un jour. Demain, vous serez maître. Vous ne répondez point, perfide, je le vois. Tu comptes les moments que je récupère avec moi. Ton cœur, impatient de revoir sa toyenne, ne souffre qu'à regret que notre l'entretienne. Tu lui parles du cœur. Tu la cherches des yeux, tu ne le traînes plus, sauve-toi de ces lieux. Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée, va profaner des dieux la majesté sacrée. Ce Dieu, ces justes dieux, n'auront pas oublié que le même serment avec moi ton lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. C'était Isabelle Saint-Louis. Mais ne te doute pas. Et maman, Babs Blackhead. Bonjour. Antigone, la nouille. Le cœur. Je vais vous lire un extrait, donc. Comme les gens à nous, une pièce qui a été écrite pendant l'occupation allemande de France, de 1941, qui a été présentée en 1944 pour la première fois, et il avait provoqué des réactions chez les Allemands, et Jean-Louis a été convoqué par les autorités pour donner des explications. Donc maintenant je vais vous lire un extrait du cœur. Et voilà, maintenant le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commande dans la trajectoire. On donne des petits coups de pouce pour que ça démarre, rien. Elle regarde pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une avis d'honneur, un bon matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop, on se pose le soir, c'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser à le faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Les silences quand les bras du bourreau se lèvent à la fin, les silences au commencement quand les deux amants sont nus l'un face à l'autre pour la première fois, sans oser bouger, tout de suite dans la chambre sombre, les silences quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur et on dirait un film dont l'essor est arrêté, toutes les bouches ouvertes dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image, et les vainqueurs déjà vaincus, celle au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants, acharnés,
cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terres neuves, ces lieux d'espoir. Cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Les bons jeunes hommes auraient peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents, en somme. Ce n'est parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis, surtout, c'est reposant, la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tous les ciels sur son dos, qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, hein. Non pas à se plaindre, à gueuler, à pleine voix, ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre à soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois. Et il n'y a plus rien dans le monde. Enfin. Le rhume. Mon beau-père avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène, dont le frère avait rencontré, dans un de ses voyages, une fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vignes dont on dirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille, dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, beau-frère d'un portugais, fils naturel d'un meunier pas trop pauvre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié trois fois de suite, et dont la troisième femme, je dis dont la troisième femme, était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui, veuve de bonheur, s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain, y avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie et avait épousé une marchande de 9 saisons, dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde dont le cousin, pêcheur à la ligne, avait pris pour femme une autre institutrice blonde nommée Lucie Marie, dont le frère s'était marié avec une autre Marie, toujours institutrice blonde, et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme, qui était la nièce d'un curé, dont la grand-mère attrapait parfois un hiver, comme tout le monde, un rhume. Bravo Nicolas, bravo. Horace. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle est au nord. Puissent tous ses voisins ensemble conjurer, sa paix ses fondements encore mal assurés, et si ce n'est assez, de toute l'Italie, que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie, que son peuple uni, debout de l'univers, passe pour la détruire, et les monts et les mers, qu'elle-même sur soi renverse ses murailles,
et de ses propres mains déchire ses entrailles, que le gourou du ciel, allumé par Neveu, fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Puissais-je, de mes yeux, y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et tailloriers en poudre, voir le dernier Romain, à son dernier soupir, moi seul en mettre cause et mourir de plaisir. Olga, Berenice. Και πιστεύει ότι οι ρότητος καταφέρνουν την παντρευτεία αντίθετα από ό,τι οι νόμοι του χρόνου ορίζουν. Le temps ne plus fainit où je pouvais trembler. Tu t'usmènes, tu peux tout, tu n'as plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages et le peuple de fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénix, a-t-il la splendeur? De vieilles, ne sont-ils pas tous pleins de sa grandeur? Ses flambeaux, ses bûchers, ses nuées enflammées, ses aigles, ses faisceaux, ses peuples, cette armée, cette foule de rois, ses consuls, ce Sénat qui tous de mon amour en pompait la réclame. Cette pauvre, cet or qui rehaussait sa gloire et s'est laurié encore de moi de sa victoire. Tous ses yeux qu'on voyait venir de toutes parts, confondre sur lui seul leurs avides regards, ses portes majestueuses, ses touches présences, ciel, avec quel respect et quelle complaisance, tout le cœur en secret l'assureur de leur foi. Ah! Peut-on le voir sans penser comme moi, en quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde, en le voyant, il reconnaît son maître. Mais Phénix, où m'emporte un souvenir charmant? Cependant, en mon cœur, en ce moment, je devais pour que tu puisses, et par des sacrifices, de son règne naissant, célèbre le prémisse. Que tardons-nous? Allons pour son empire heureux, au ciel, qui le protège, offrir aussi nos voeux. Aussitôt, sans l'entendre et sans être attendu, je reviens le chercher et dans cette entrevue dire tous ces coquers, l'un de l'autre printemps, inspirent des transports retenus si longtemps. C'est très sexy, t'inquiète pas, c'est bien. Est-ce qu'on peut replacer dans son contexte l'œuvre? On est en pleine tragédie d'Atride. Il s'agit effectivement du drame de la fille de Ménélas et de la belle Hélène, la belle Hermione, qui est promise à son cousin Oreste et qui, après la guerre de Troie, est finalement cédée par son père à Pyrrhus, le fils d'Achille. Alors, c'est un vrai drame. Un vrai drame. Et je vais vous lire l'acte 5, la scène première. Hermione est seule. Cette représentation a été donnée pour la première fois au Louvre en 1667. C'est une vraie tragédie. Mais Hermione est seule. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais le cruel, de quel œil il m'a congédié? Sans pitié, sans douleur, au moins étudié. Ai-je vu ses regards se troubler un moment? En ai-je pu tirer un seul gémissement? Muet mes soupirs, tranquille à mes alarmes. Semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? Et je le plains encore.
Et pour combien d'ennuis, le pape. Et pour comble d'ennuis, mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui. Je tremble aux seules pensées du coup qui le menace. Et prête à me venger, je lui fais déjà grâce. Non, ne révoquons point l'arrêt de mon cours, qu'il périsse. Aussi bien n'est plus pour nous. Le père fuit de triomphe et se rit de ma rage. Il pense voir en pleurs dissiper cet orage. Il croit que, toujours faible, et d'un cœur incertain, je parerai d'un bras les coups de l'autre main. Il juge encore de moi, par mes bontés passées. Mais plutôt le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas. Il me laisse, l'ingrat, cet embarras funeste. Non, non, encore un coup, laissons à Gévoreste qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir, et puisqu'il m'a forcé enfin à le prévoir. Le vouloir, et quoi? C'est donc moi qui l'ordonne. Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione. Ce prince dont mon cœur se faisait autrefois avec tant de plaisir redire les exploits, à qui même en secret je m'étais destinée. Avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée, je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'états, que pour venir si loin, préparer son trépas, l'assassiner, le perdre, et devant qu'il expire. Merci. Merci, parce que, en dépit du fait que vraiment tu te sentais pas bien, tu as pris la peine de venir. Vraiment, merci. Ça me fait plaisir. On peut l'applaudir de nouveau quand même. Merci. Donc, c'est Molière, le Don Juan. C'est une pièce très spéciale, il y a eu beaucoup d'aventures parce que Molière a été en fait abandonné après sa première triomphale au Palais Royal. Ensuite, elle a été remplacée par une pièce en verre commandée par la veuve de Molière et ses compagnons en Corneille. Et ensuite, elle a été en quelque sorte redécouverte au XXe siècle, en 1947, je crois, par Louis Jouvet, qui a restauré en quelque sorte la pièce originale, qui est une pièce en prose, n'est pas en vers. Donc, ce passage, cet extrait que je vais vous lire, c'est une sorte de plaidoyer en faveur de l'infidélité. Don Juan, Don Juan Tenorio, le vrai nom espagnol de cet homme légendaire, on ne sait même pas s'il a vraiment existé, qui est reconnu pour son volatilité, pour ses infidélités, pour ses conquêtes multiples auprès des femmes. Donc, toute cette pièce est une sorte de dialogue entre Don Juan et son fidèle serviteur, valet, un valet glouton, friand de disputes intellectuelles, qui le provoque tout le temps à défendre ses idées. Donc, Don Juan, donc, en répondant à Galarel, il fait en quelque sorte le plaidoyer en faveur de la fidélité, de l'inconstance en amour et de ses multiples conquêtes. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'est plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer deux fois en heure, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort de sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit pas en dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur ma cœur. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rend à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je n'ai pu refuser
mon cœur à tout ce que je vois de mal. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes explicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent dommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes, des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle s'est fait un honneur et l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un bel amour. Quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants et les conquêtes à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et je suis ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Merci à Daniel. Merci. Alors, seulement pour tous les lecteurs, le plus près du micro pour qu'on puisse vous entendre du fond également. D'accord? Vous promettez, hein? Pamela. Le bourgeois gentilhomme, saint de maître d'armes. Allons, monsieur, la révérence. Votre corps droit. Un peu pensé sur la cuisse gauche. Et les jambes pointant écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposé de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait sous-attendu. La main gauche à l'auteur de l'œil. Oh. La tête droite, le regard assuré. Avancez. Le corps ferme. Touchez-moi l'épée des quatre. Je vais de même. Une, deux. Remettez-vous. Et redoublez. Saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée part la première et que le corps soit bien effacé. Une, deux. Alors, touchez-moi l'épée des tierces et achevez de même. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. Une, deux. Redoublez. Sur la gare. En garde, messieurs, en garde. Bravo. Bravo. Elisabeth, en seconde. Πάλι να πω στον Αρχιμπόλη του Ανούλη. Προηγουμένως ακούσαμε την απόσπαση από το χορό. Εδώ η Αρχιμπόλη μιλάει με την αδερφή της, τη Μισμήν, που προσπαθεί να τη λογικεύσει και να ακολουθήσει τις απαιτήσεις του κρέοντα. Η Αντιγόνη απαντά.
Donc, c'est encore un extrait d'Antigone d'Anouilh. On a tout à l'heure entendu l'extrait du cœur. Et là, c'est un dialogue entre Ismène et Antigone. Ismène essaie de la raisonner. Et Antigone répond. Et c'est de la faire comprendre les exigences de Créon. Donc Antigone répond, comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle, fuyante, eau froide, parce que cela mouille les dalles. À la terre, parce que c'est la tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir vers le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille, pas maintenant. Isabelle, pas maintenant. Hein? Pas maintenant. Pas maintenant. Bérénice. Johanna Guéritz. Pas maintenant. Alors, bonjour à tous. Première fois ici. Je vous livre un extrait de Racine, encore une fois. C'est l'acte 4, 5, Bérénice. Ah, cruel, est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait, Léla? Je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir mon âme accoutumée. Ne vis plus que pour vous. Ignorez-vous vouloir. Quand je vous l'avouais pour la première fois, à quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée? Où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre? Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre, toute l'intrigue a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore. Que ne me quittiez-vous? Mille raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, l'univers plutôt qu'une si chère main. Le règne des longtemps contre moi déclaré m'avait à mon malheur des longtemps préparé. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel, dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin, quand je n'ai plus à redouter que vous. Merci. Lors de ce moment, Michael, le soulier de cette âme. Près du micro, hein, Londa. Comment tu dis? Près du micro. Ah ouais. La raison pour laquelle j'ai choisi le chapitre 7, c'est pour l'aborder, parce que j'étais, disons, dans le barrage, pas en France, mais en Belgique, quand Antoine Vitesse a monté la pièce tout entière de 7 heures de Claudel, et c'était donc un événement de cette année-là, 1987. Et alors voilà, je suis toujours prise avec cette immense œuvre. J'ai choisi un dialogue que, à force de couper, je l'ai tourné comme un monologue de Don Rodrigue avec son serviteur chinois qui s'appelle Isidore dans les déserts de Castille, suite à la scène précédente où Don Rodrigue a reçu du roi, l'a nommé comme vice-roi des Indes occidentales, c'est-à-dire des Caraïbes, du Nouveau Monde, de cette époque-là.
Donc nous sommes dans le désert du Castille, et c'est le serviteur chinois de Don Rodrigue, et lui-même qui discourt de l'amour de Don Rodrigue pour Doña Cruz. Alors, Isidore, étrange lumière que ces millions de gouttes de lait. Don Rodrigue, là-bas, sous le feuille, il éclaire une femme qui pleure de joie et qui baisse son épaule nue. Isidore, qu'importe cette épaule, je vous prie, monsieur le sauveur d'âme. Don Rodrigue, cela aussi fait partie des choses que je ne posséderai pas dans cette vie. Ai-je dit que c'était son âme seule que j'aimais? C'est elle tout entière. Et je sais que son âme est immortelle, mais le corps ne l'est pas moins. Et de tous deux, la semence est faite qui est appelée à fleurir dans un autre jardin. Isidore, une épaule qui fait partie d'une âme et tout cela ensemble qui est une fleur. Comprends-tu, mon pauvre Isidore? Oh, ma tête, Don Rodrigue, Isidore. Ah, si tu savais comme je l'aime et comme je la désire. Isidore, maintenant je vous comprends et vous ne parlez plus chinois. Don Rodrigue, et crois-tu donc que ce soit son corps seul qui soit capable d'allumer dans le mien un tel désir? Ce que j'aime, ce n'est point ce qui en est capable de se dissoudre et de m'échapper et d'être absent et de cesser une fois de m'aimer. C'est ce qui est la cause d'elle-même. C'est cela qui produit la vie sous mes baisers et non la mort. Si je lui apprends qu'elle n'est pas née pour mourir, si je lui demande son immortalité, cette étoile, sans le savoir au fond d'elle-même qu'elle est, ah, comment pouvait-elle me refuser? Ce n'est point ce qui a en elle des troubles et de mêlés et d'incertain que je lui demande. C'est qu'il y a d'inerte et de neutre et de périssable. C'est l'être tout nu, la vie pure. C'est cet amour aussi fort que moi, sous mon désir, comme une grande flamme crue, comme un rire dans ma face. Ah, mais le Donatelle, je défaille, et la nuit vient sur mes yeux. Mais le Donatelle, il ne faut pas que je le donne. Ce n'est point son corps chéri jamais qui réussirait à me contenter. Jamais autrement que l'un par l'autre, nous ne réussirons à nous débarrasser de la mort. Comme les violets, s'ils se font avec l'orange, dégagent les rouges tout purs. Isidore, Tsegué, nous savons ce qui se cache sous ces belles paroles. Don Rodrigue, des reproches a-t-elle dit? Ah, je me suis mépris. Oui, ce sont des reproches seulement qu'il veut me faire entendre. Il faut que je n'existe plus. Il faut me faire comprendre des choses qui font qu'elle ne m'aimera jamais. Isidore, j'en fournirai de mon côté quelques-unes. Don Rodrigue, il faut que je vois bien qu'elle a raison et que je la prouve. Il me faut l'entendre condamner ce cœur qui ne bat que pour elle. J'ai soif de ces mots destructeurs. Encore, je suis avide de ces néants qu'elle veut établir en moi. Car je sais que c'est seulement dans les vides absolus de toutes choses que je la rencontrerai. Est-ce parce que je suis beau ou noble ou vertueux que je voudrais qu'elle m'aime? Ou pour rien autre chose que ce besoin désespéré que j'ai de son âme? Ou quand je pense à elle, est-ce que je désire rien d'elle autre que tout à coup vers moi ces mouvements sacrés de son cœur? Est-ce que tout d'elle alors ne disparaît pas? Oui, même ses yeux si beaux. Je veux la confronter pour témoin de cette séparation entre nous si grande que l'autre, par l'effet de cet homme avant moi qui l'a prise, et n'en est que l'image. Cet abîme qui va jusqu'au fondement de la nature et que franchira seul, hors de tout motif de mérite, cet acte de foi que nous verrons l'un dans l'autre, ce serment dans l'éternité. Je sais qu'elle ne peut être à moi que par un acte gratuit. Merci beaucoup, bonjour. Fêtre de Racine, une pièce de 1677, dans la troisième scène du premier acte. Fêtre confesse à Eunane, sa nourrice et confidente, sa passion pour Hippolyte, le fils
de l'hymen je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. À peine me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins de l'injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, tenant, et depuis son absence, les jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée. Par mon époux lui-même, à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par l'injuste reproche, que des vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à ses années. Marguerite, illusion comique. Allez, Marguerite. Είμαι η Μαργαρίτα. Άρα για σήμερα, για λίγο, θα είμαι η Ιζαμπέλα και έχω έναν εραστή. Ένα λεπτό, ξέχασα το όνομά του. Είναι μια τραγωδία, κατά πάντα. Κλείντοχ. Άρα, εγώ είμαι η Μαργαρίτα και για το moment, θα είμαι η Ιζαμπέλα. Έχω έναν αμό, η Ιζαμπέλα Κλείντοχ. Άρα, acte 4, chez la première, Ιζαμπέλα. Enfin, le terme approche, un jugement inique, doit vous séduire d'un pouvoir tyrannique. À son propre assassin, immoler mon amant et faire une vengeance au lieu d'un châtiment. Par un décret injuste, autant comme sévère, des mains, doit triompher la haine de mon père. La faveur du pays, la qualité du mort, le malheur d'Isabelle et la rigueur du sort. Hélas,
que d'ennemis et de quelle puissance contre la faible appui que donne l'innocence, contre un pauvre inconnu de qui tout le forfait est de m'avoir aimé et d'être trop parfait. Oui, Clindor, tes vertus et ton feu légitime t'ayant appuyé mon cœur ont fait aussi ton crime. Mais en vain, après toi, l'on me laisse le jour. Je veux perdre la vie en pendant mon amour. Pendant son ton arrêt, c'est de moi qu'on dispose. Je veux suivre ta mort jusque j'en suis la cause. Et le même moment verra par deux trépas nos esprits amoureux se rejoindre là-bas. Ainsi, père Anomen, ta cruauté déçue de nos santé ardeur verra l'heureuse issue. Et si ma perte alors fait naître tes douleurs auprès de mon amant, je rirai de tes pleurs. Ce qu'un rebond puissant se coûtera des larmes, d'un si doux entretien augmentera les charmes. Ou s'il n'a pas assez de quoi te tourmenter, mon ombre chaque jour reviendra t'épouvanter, s'attacher à tes pas dans l'horreur des ténèbres, présenter à tes yeux mille images funèbres, jeter dans ton esprit un éternel interne effroi. Te reproche ma mort, t'appeler après moi, accablé de malheur, ta languissante vie, et te réduire au point de me porter en vie. Enfin, c'était très bien. C'est à vous. Ah, mais fixe. Là-bas. Bonjour d'abord. Je lis la scène 7 de l'acte 4 de la barre, Pilario, Modello. C'est sûr que vous la connaissez. C'est une scène où le comique réside dans la force dramatique. Mais c'est une pièce évidemment comique. Je savais être à Pagon. Vous m'attendez? Oui. Ok. Et à Pagon, il crie au voleur dès le jardin, et bien, chapeau. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Il se prend lui-même le bras. Ah, c'est moi! Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis. Qui je suis? Est-ce que je fais? Hélas! Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami! On m'a privé de toi! Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans les faits, j'en suis plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'est-il pour personne qui veuille me ressusciter? En même temps, mon cher argent, ou en apprenant qui l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on épie l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais aller quérir la justice, et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que des gens assemblés, je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble l'heure.
De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé. Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait de nouvelles de mon voleur, je supplie qu'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences, des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même à terre. Les fausses confidences. Donc nous sommes dans les fausses confidences de Marivaux en trois actes et nous sommes à la fin du troisième acte. L'intrigue va se résoudre entre Dorante, qui est l'amoureux transi de situation inférieure, à Araminte, qui elle est une belle, notre jeune et belle dame, et qui, finalement, après tout un tas de manigances que vous pouvez imaginer, c'est du Marivaux, hein, finalement, va accorder son accord à l'Europe. Alors, nous sommes donc. C'est comme. Approchez, Dorant. Je n'ose presque pas être devant lui. Je n'ai guère plus d'assurance que lui. Pourquoi vouloir me rendre compte de mes papiers? Je m'en fie bien à vous. Ce n'est pas là-dessus que j'aurais à me plaindre. Madame, j'ai autre chose à dire. Je suis si interdit, si tremblant, que je ne saurais parler. Je crains la fin de tout ceci. Un de vos fermiers est venu, tantôt, madame. Un de mes fermiers? Cela se veut bien. Oui, il est venu. Je n'en doute pas. Et j'ai de l'argent à vous remettre. Ah, de l'argent. Nous verrons. Donc il vous plaira, madame, de le recevoir. Oui, je le recevrai, vous me le donnerez. Je ne sais ce que je lui réponds. Ne serait-il pas temps de vous la porter ce soir ou demain, madame? Demain, dites-vous. Comment vous gardez jusque-là, après ce qui est arrivé? De tout le reste de ma vie que je vais passer loin de vous. Je n'aurai plus que ce seul jour qui m'en serait précieux. Il n'y a pas moyen de rentrer. Il faut se quitter. On sait que vous m'aimez. Et l'on croirait que je n'en suis pas fâchée. Hélas, madame, que je vais être à flemme. Ah, allez, Dorante, chacun a ses chagrins. J'ai tout perdu. J'avais un portrait. Je ne l'ai plus. À quoi vous sert de l'avoir? Vous savez peindre. Je ne pourrais de longtemps en dédommager. D'ailleurs, celui-ci m'aurait été bien cher. Il a été entre vos mains, madame. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Ah, madame, je vais être éloigné de vous. Vous serez assez vengée. N'ajoutez rien à ma douleur. Vous donnez mon portrait. Songez-vous que ce serait avoué que je vous aime? Que vous m'aimez, madame? Quelle idée! Qui pourrait s'en imaginer? Et voilà pourtant ce qui m'arrive. Je me meurs! Je ne sais plus où je suis, modéré votre joie. Levez-vous, Dorante. Je ne la mérite pas. Cette joie me transporte, je ne la mérite pas, madame. Vous allez me noter. Mais n'importe, il faut que vous soyez instruite. Comment? Que voulez-vous dire? Dans tout ce qui s'est passé chez vous, il n'y a rien de vrai que ma passion, qui est infinie, et le portrait que j'ai fait. Tous les incidents qui se sont arrivés partent de l'industrie d'un domestique qui le savait, qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui, par le charme de l'espérance, du plaisir de vous voir, m'a, pour ainsi dire, forcé de consentir à son stratagème. Il voulait me faire valoir auprès de vous. Voilà, madame, ce que mon respect, mon amour et mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. J'aime encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir
à l'artifice qui me l'a fait avoir. J'aime encore mieux votre haine que le remords d'avoir trompé ce que j'adore. Si j'apprenais cela de l'autre que de vous, je voyerais sans doute. Mais l'aveu que vous me faites vous-même dans un moment comme celui-ci change tout. Ce trait de sincérité, Richard, me paraît incroyable. Vous êtes le plus honnête homme du monde. Après tout, puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable. Il est permis à un amant de chercher le moyen de plaire, et on doit le pardonner lorsqu'il a réussi. Quoi ? Ma charmante Armette, daigne me justifier. Si je compte avec ma mère, le dites-moi et laissez-moi parler. Merci. Merci. Catherine Belisarius, huit clos. Bonjour, moi aussi j'ai choisi une œuvre d'un auteur de sexe masculin. D'ailleurs, on a tous choisi des auteurs de sexe masculin, à croire qu'il n'y a pas de femme auteur. Mais bon, moi aussi, j'aurais pu y penser. Je ne le regrette pas, j'ai choisi Sartre parce que, Miklos de Sartre, parce que c'est sans doute le meilleur de Sartre. Parce que cette pièce, en fait, n'a pas pris une ride. Et puis parce que cette pièce se joue actuellement à Athènes tous les samedis dimanches, sauf ce samedi dimanche. Alors, il y a trois personnages, vous savez, deux femmes et un homme, et ils se retrouvent, parce qu'ils sont morts, en enfer, dans un salon type Second Empire, avec un bronze sur les cheminées. Ça ne va pas être facile, il y a trois personnages, enfin bon, je vais essayer. Alors, la première femme qui est Inès, s'adresse à l'homme garçon. Inès, tu as rêvé 30 ans que tu avais du cœur, et tu te passais 1000 petites faiblesses parce que tout est permis aux héros, comme c'était commode. Et puis, à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur. Et tu as pris le train pour Mexico. Garçon, je n'ai pas rêvé cet héroïsme, je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Inès, prouve-le. Prouve que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Garçon, je suis mort trop tôt. On ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. Inès. Oui, on meurt toujours trop tôt, trop tard. Et cependant, la vie est là, terminée, le trait est tiré. Il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, garçon, tu as réponse à tout. Inès, allons, ne perds pas courage. Il doit être facile de me persuader. Cherche des arguments, fais un effort. Eh bien, je t'avais dit que tu étais vulnérable. Ah, comme tu vas payer à présent. Tu es un lâche, garçon, un lâche. Parce que je le veux. Je le veux, tu entends? Je le veux. Et pourtant, vois comme je suis faible, un souffle. Je ne suis rien que le regard qui te voit, que cette pensée incolore qui te pense. Elle s'ouvre, ces grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu? On n'attrape pas les pensées avec les mains. Allons, tu n'as pas le choix. Il faut me convaincre. Je te tiens. La deuxième femme, un bel garçon. Quoi, dit garçon? Venge-toi. Comment? Répond garçon. Embrasse-moi. Tu l'entendras chanter. Garçon. C'est pourtant vrai, Inès, tu me tiens, mais je te tiens aussi. Inès, lâche, va te faire consoler par les femmes. Deuxième femme, chante, Inès, le beau couple, si tu veux.
voyez sa grosse patte posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l'étoffe. Il a les mains moites, il transpire, il laissera une marque bleue sur ta robe. Estelle, chante, chante, serre-moi plus fort contre lui, garçon, il en crèvera. Inès, mais oui, serre-la bien fort, serre-la. Mêlez vos chaleurs, c'est bon l'amour, hein, garçon? C'est tiède et profond comme le sommeil. Et je t'empêcherai de dormir. Estelle, ne l'écoute pas. Prends ma bouche, je suis à toi tout entière. Inès, eh bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garcin le lâche, tient dans ses bras. Estelle, l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garcin le lâche, l'embrassera-t-il? Je vous vois, moi seul, je suis une foule, la foule, garçon, la foule, l'entends-tu? Lâche, 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 lâche. En vain, tu me fuis, je ne te lâcherai pas. Que vas-tu chercher vers ses lèvres? Sur ses lèvres, l'oubli? Mais je ne t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre, moi. Viens, viens, je t'attends. Tu vois, Estelle? Il desserre son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Garcin, il fera donc jamais nuit. Jamais, dit Inès. Garcin, tu me verras toujours? Toujours, répond Inès. Garcin, il caresse le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là, je le contemple et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je le tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Il se retourne. Ah, vous n'êtes que deux. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez? Le soufre, le bûcher, le grill. Quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Et voilà. Alors, cette phrase a été pas toujours bien comprise. Ça ne veut pas dire que tous les autres sont l'enfer, bien évidemment. Mais c'est vrai que quelquefois, il est évident que les autres, pour être soi, sont importants. Ça dit toute l'importance des autres sur soi, et c'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui ont le talent de vous pourrir le quotidien. Après ce message... C'est l'histoire de ce poussé ou pas poussé que je voudrais bien tirer au clair. Car, selon que c'est l'un ou l'autre, c'est la vérité ou le mensonge qui habite l'être. Soit qu'elle mente, soit que sa mémoire devienne mensongère. Moi, je ne crois pas qu'elle est poussée. Regardez là, à deux pouces au-dessus du sol, elle tient son frère endormi, aussi serré qu'au-dessus d'un abîme. Il va rêver qu'il tombe, évidemment, mais cela vient du cœur, et il n'y est pour rien. Tandis que la reine a une ressemblance. Elle ressemble à ses boulangères qui ne se pèsent même pas pour ramasser leur monnaie, et aussi à ses chiens griffons qui étouffent leurs plus beaux petits dans leur sommeil. Après, elle les laisse comme la reine vient de laisser au reste. On n'a jamais fait d'enfant avec la salive. On voit l'histoire comme si l'on y était. Tout s'explique si vous supposez que la reine s'est mis une broche en diamant et qu'un chat blanc est passé.
quelqu'un tes lettres sur le bras droit, car la fille est déjà lourde. Elle tient le bébé sur l'autre, un peu éloignée d'elle, pour qu'elle ne s'écrasine pas à la brosse ou qu'elle ne la lui enfonce pas dans la brosse. C'est une épingle à reine, pas une épingle à nourrice. Et l'enfant voit le sable blanc, c'est magnifique un sable blanc. C'est de la vie blanche, c'est du voile blanc. Ses yeux le tirent et il bascule. Et c'est une femme égoïste, car de toute façon, en voyant s'avérer l'enfant, elle n'avait pour le retenir qu'à libérer son bras droit de la petite Electra. À lancer la petite Electra au loin sur le marbre, à se fixer de la petite Electra. Elle se casse la gueule, la petite Electra, pourvu que vive et soit intact le fils du roi des rois. Mais il est égoïste. Pour elle, la femme compte autant que l'homme, parce qu'elle en est une. Le ventre autant que la source, parce qu'elle est un ventre. Elle ne songe pas une seconde à détruire cette fille à ventre, pour sauver ses fils à source. C'est une carte de lettre. Véronique, Alistair, le bonjour à Jean-Guillaume. Le micro, Véro. Bah oui. Maître de théologie, est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique, celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Oh, il y a trop de tatamars là-dedans, trop de poulaminés. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez le manac. Pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différence de manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que toutes les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dit voyelles, parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Ah, j'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E. A. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, écartant les deux points de la bouche vers les oreilles. A, E, I, A, I, 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 I. Ah, cela est vrai. Ah, vive la science. La voix O se forme en groupant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux points, le haut et le bas. O. O.
Oh, vous avez raison. Oh, ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement, en allongeant les deux lèvres en dehors, les rapprochant aussi l'une de l'autre, sans le rejoindre tout à fait. U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient, et si vous la voulez faire à quelqu'un et vous manquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Et est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Oui. Allez, belle chose. Lève s'appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa, c'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Elle erre en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle y cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Cela est vrai. Ah, la vivante que vous êtes. Que j'ai perdu de temps. Ra. Je vous expliquerai à fond toute cette curiosité. Ah, je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Ce sera galant, oui. Sans doute, sans des vers que vous lui voulez écrire. Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, messieurs, qui vient pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, messieurs, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose? Monsieur. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Bravo. Et puis Gilbert qui va lire un tout petit... Oui. Excusez-nous, on est venu. Tiens, mais là, il y a une. C'est accessoire. Donnez-moi votre peau. Allons donc que le bat comme il faut. Je serais bien allé comme vous devez. Oh, ce coup-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Burgeon. Ce nom-là n'est pas écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon.
Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Ah oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Ah oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille? Ignorant. Du veau? Ignorant. Des bouillons? Ignorant. Des œufs frais? Ignorant. Et le soir, le petit pruneau pour lâcher le vent? Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour apaiser votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de lin, du gruau et du riz, et des marrons et des olives pour coller et qu'on glutinait. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de maman, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai dans cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Bien, faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferai couper tout à l'heure, si j'étais que vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferai crever, si j'étais en votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il recommande l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en aurez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile. Oui, mais il va d'un peu vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras et me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. Oh, j'aime bien mieux qu'il se porte pas si bien. Pas la belle opération, de neurones borne ni manchot. Merci Gilbert. Bravo. Bravo la famille. Accessoire. Farnouche. Béranger. Le rhinocéros. Elle a Béranger. Elle. Farnouche Campos. Un de nos plus brillants de Cuba. Ah oui. Et Axi. Béranger, et une orchestre. Ωστόσο, δεν είναι και τόσο άσχημο πράγμα ο άνθρωπος και δεν είναι και από τους πιο ωραίους. Πίστεψέ με, Ντέζι. Ντέζι, πού είσαι? Ντέζι, δεν θα το κάνεις αυτό. Ντέζι, γύρισε πίσω, μικρή μου Ντέζι. Δεν έβαλε ούτε μπουκιά στο στόμα σου. Ντέζι, μην με αφήνει μόνο. Τι μου είχε υποσχεθεί, Ντέζι, Ντέζι. Βέβαια, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε πια. Ένα ατέριαστο ζευγάρι δεν άντεχε άλλο. Δεν έπρεπε όμως να με αφήσει έτσι και να φύγει, χωρίς να μου δώσει μια εξήγηση. Ένα σημείο μου δεν άφησε. Είναι σωστά πράγματα αυτά. Τώρα έμεινα όλο μόναχος. Εμένα δεν θα με παρασύρετε. Όχι. Ποτέ. Ακούσατε. Ποτέ. Δεν θα σας ακολουθήσω. Όχι. Δεν θα σας ακολουθήσω. Δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ θα μείνω αυτό που είμαι. Εγώ είμαι άνθρωπος. Άνθρωπος. Αφόρητη. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Εγώ φταίω που έφυγα. Ήμουν για αυτήν ολόκληρος ο κόσμος. Τι θα πω γίνει τώρα.
μια ψυχή παραπάνω στη συνείδησή μου. Τώρα όλα είναι δυνατά. Φτωχό μου παιδί, εγκαταλειμμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο των τεράτων. Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει να την ξαναβρω. Γιατί δεν απομένει κανένας. Δεν θέλω να τα ακούω. Θα βάλω μπαμπάκι στα αυτιά μου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να τους πείσω. Να τους πείσω όμως για τι πράγμα. Και η μεταμόρφωσή τους μπορούν να ξαναγίνουν άνθρωποι. Ε, μπορούν. Θα χρειαστεί ένα Ηράκλειος άθλος που ξεπερνάει τις δυνάμεις μου. Και πρώτα-πρώτα, για να τους πείσω, πρέπει να τους μιλήσω. Για να τους μιλήσω πρέπει να μάθω τη γλώσσα τους. Ή όπως αυτοί θα πρέπει να μάθουν τη δική μου. Αλλά εγώ, ποια γλώσσα μιλάω. Ποια είναι η γλώσσα. Είναι ελληνικά αυτά που μιλάω. Θα πρέπει να είναι ελληνικά. Είναι όμως. Αλλά τι είναι τα ελληνικά. Μπορώ να πω πως αυτά είναι ελληνικά, αν θέλω. Κανένας δεν πρόκειται να μου το αμφισβητήσει, αφού είμαι ο μόνος που τα μιλάω. Αλλά τι λέω. Καταλαβαίνω τι λέω. Καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Κι αν όπως μου έλεγε η Ντέζη, αυτοί έχουν δίκιο. Κι όμως, δεν είναι άσχημο πράγμα ο άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου άσχημο πράγμα. Αστεία υπόθεση. Γιατί μοιάζω λοιπόν. Γιατί. Φωτογραφίες. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ο κύριος Παπλίγιο. Η Μπορίτη και η Τέση. Αυτός εδώ. Η Λομποτά. Ο Ντινά. Ο Ζαν. Ή μήπως είμαι εγώ. Ναι. Αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ. Δεν είμαι ωραίος. Δεν είμαι ωραίος. Αυτή είναι ωραία. Αυτή. Η Χάδικο. Πόσο θα ήθελα να είμαι σαν κι αυτούς. Μου λείπουν τα κέρατα. Άσχημο που είναι ένα μέτωπο χωρίς κέρατα. Θα μου χρειαζόντουσαν ένα δύο για να τονιστούν τα χαρακτηριστικά μου. Ίσως να γίνει και αυτό μια μέρα. Και έτσι δεν θα ντρέπομαι πια. Θα μπορώ να πάω να τους βρω. Έλα όμως που δεν φυτρώνω. Τα χέρια μου είναι μαλακά. Θα ροζιάσουν άραγε, θα βγάλουν λέπια. Λαβερό που είναι το δέρμα μου. Το κορμί μου κάτασπρο, τριχωτό. Όσο θα ήθελα να είχα σκληρό πετσί και αυτό το θαυμάσιο βαθυπράσινο χρώμα τη σεμνή γύμνια τους, χωρίς τρέχες. Τα τραγούδια τους έχουν μια γοητεία. Είναι λίγο άγρια βέβαια, αλλά πάντως έχουν γοητεία. Αν μπορούσα να τραγουδάω σαν αυτούς. Καταφέρνω να μου γκανίσω. Ουρλιάζω μόνο. Ουρλιάζω μόνο, όχι. Άλλο ουρλιαχτό, άλλο μου γκανιτό. Το έχω βάρος στη συνείδησή μου. Έπρεπε να τους είχα ακολουθήσει όσο ήταν καιρός. Τώρα είναι πια πολύ αργά. Αλίμονο. Είμαι ένα τέρας. Είμαι ένα τέρας. Αλίμονό μου. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ ρινόκυρος. Ποτέ. Δεν μπορώ πια να αλλάξω. Θα το ήθελα πολύ. Θα ήθελα τόσο πολύ, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ πια. Ούτω τον εαυτό μου να κοιτάξω. Πόσο ντρέπομαι. Άσχημος που είμαι. Αλίμονο σε αυτόν που θέλει να διατηρήσει την ιδιομορφία του. Ναι, λοιπόν. Τόσο το χειρότερο. Θα μυθώ κόντρα σε όλο τον κόσμο. Το τουφέκι μου. Πού είναι το τουφέκι μου. Κόντρα σε όλο τον κόσμο θα υπερασπίσω τον εαυτό μου. Κόντρα σε όλο τον κόσμο θα μείνω. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος και θα μείνω ο άνθρωπος αυτό. Δεν συνδικολόγω. Δεν το μετανιώνω. Δεν το μετανιώνεις. Άννα Μαύρου, Νεκτάριος Κωνσταντινίδης, Ιωάννη Ντάτσιο. Νεκτάριος Κωνσταντινίδης, διάντολο τραβλίο, ο Ρέκη. Lorenzo, d'Alfred Musset, acte 3, scène 3, Lorenzo et Philippe.
Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. Pour comprendre l'exaltation fiévreuse qui a enfanté en moi le Lorenzo qui te parle, il faudrait que mon cerveau et mes entrailles fussent à nu sous un scalpel. Une statue qui descendrait de son piédestal pour marcher parmi les hommes sur la place publique serait peut-être semblable à ce que j'ai été le jour où je commençais à vivre avec cette idée. Il faut que je sois un Brutus. Tu m'étends de plus en plus. Je voulais d'abord tuer Clément VII. Je ne pus le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. Je recommençais mon ouvrage avec Alexandre. Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme. Je travaillais pour l'humanité. Mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. Il fallait donc entamer par la ruse un combat singulier avec mon ennemi. Je ne voulais pas soulever les masses, ni conquérir la gloire bavarde d'un paralytique comme Cicéron. Je voulais arriver à l'homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, et après cela porter mon épée sanglante sur la tribune et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nœud des avant-gueules pour échauffer leur cervelle encoulée. Quelle tête de fer as-tu, ami ? Quelle tête de fer ! La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vent et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porter par les larmes de famille. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys, et cependant je ne pas reculé devant cette tâche. Ce que je suis devenu à cause de cela, n'en parle pas. Tu dois comprendre ce que j'ai souffert, et il y a des blessures dont ne me lève pas l'appareil impunément. Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre, qu'importe. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu baises la tête. Tes yeux sont humides. Non, je ne rougis point. Les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. Je fais ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. Je suis au terme de ma peine. Et sois certain, Philippe, que le buffle sauvage, quand le bouvier là-bas sur l'herbe, n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants que j'en ai ici autour de mon bâtard. Ce cœur, jusqu'auquel une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu sous ma main. Je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. Tout sera fait. Maintenant, sais-tu ce qui m'arrive et ce dont je vais t'avertir? Tiens, notre bouton, tu t'y dirais. Je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Je me suis souvenu du bâton d'or couvert de corse. Maintenant, je connais les hommes et je te conseille de ne pas t'en mêler. Pourquoi? Ah, vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Du fond de votre solitude, vous trouviez l'océan magnifique sous les dés splendides des cieux. Vous ne comptiez pas chaque flot, vous ne jetiez pas la sonde, vous étiez plein de confiance dans l'ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, je plongeais. Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie. J'en ai parcouru toutes les profondeurs couvertes de ma cloche de verre. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris de naufrage, les ossements et les léviathans. La tendresse me fend le cœur. C'est parce que je vous vois tel que j'ai été et sur le point de faire ce que j'ai fait que je vous parle ainsi. Je ne méprise point les hommes. Les torts des livres et des historiens est de le montrer différent de ce qu'ils sont. La vie est comme une cité.
On peut y rester 50 ou 60 ans sans voir autre chose que des promenades de palais. Mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s'arrêter en rentrant chez soi aux fenêtres de mauvais quartiers. Voilà mon avis, Philippe. S'il s'agit de sauver des enfants, je te dis de rester tranquille. C'est le meilleur moyen pour qu'on te les renvoie après une petite semonce. S'il s'agit de tenter quelque chose pour les hommes, je te conseille de te couper les bras, car tu ne seras pas longtemps à te percevoir qu'il n'y a que toi qui en es. Je conçois bien les rôles que tu joues, que donner de pareilles idées. Si je te comprends bien, t'as pris dans un but sublime une route du death, et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu. Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus. Je te dis le danger d'enfer. Je connais la vie. Et c'est une vilaine cuisine, sois-en persuadé. Ne mets pas la main là-dedans si tu respectes quelque chose. Arrête, ne brise pas pour mes raisons mon bateau de vieillesse. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté. Et me voilà dans la rue, moi, l'organisation. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur. Et les pères ne me prennent pas quand je passe leur couteau et leur balai pour m'assoiffer, pour m'assommer. Au fond de cette digne maison que voilà, la septième génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré. Et pas une ne vaut mieux à ma vie, à ma vue, un valet de charrue qui me fendre en deux comme une biche pourrie. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur les sables de fin de promenade. Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat, que dis-je. Oh Philippe, les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leur fille quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre le point de rage en aimant de ma poche 4 ou 5 méchantes pièces d'or. Que le tentateur ne méprise pas le faible. Pourquoi un tentateur lorsqu'on en doute? Pas mal. Elle est là. Le bourgeois gentilhomme. Ok. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre. Et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai le sentiment sur cette matière un peu plus délicat. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à séparer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis née de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes d'honneur des 6 ans de service. Et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne peux point me donner un nom où d'autres en ma place pourraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je suis point gentilhomme. Είμαι η στιγμή που η λέξη δεν μόνο της μεταξύ μου του έγιστου,
Και ο Ρέξτης εκεί πάει να δολοφονήσει την Τιγανίσσα. Est-ce qu'elle va crier? Il marche dans le couloir. Quand il aura ouvert la quatrième porte... Oh, je l'ai voulu. Je le veux. Il faut que je le veuille encore. Celui-ci est mort. C'est donc ça que je voulais. Je ne m'en rendais pas compte. 100 fois je l'ai vu en songe, étendu à cette même place, une épée dans le cœur. Ses yeux étaient clos. Il avait l'air de dormir. Quand je l'ai hissé, quand j'étais joyeuse de le haïr. Il n'a pas l'air de dormir. Et ses yeux sont ouverts. Il me regarde. Il est mort. Et ma haine est morte. Et je suis là. Et j'attends. Et l'autre est vivante encore au fond de sa chambre. Et tout à l'heure, elle va crier. Il va crier comme une bête. Ah, oh, je ne peux plus supporter ce regard. Qu'est-ce que je voulais donc? Il la frappait. C'était notre mère et il la frappait. Voici, mes ennemis sont morts. Pendant des années, j'ai joui de cette mort par avance. Et à présent, mon cœur est serré dans un étau. Est-ce que je me suis menti pendant 15 ans? Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Je ne suis pas lâche. Cette minute-ci, je l'ai voulu. Et je la veux encore. Je voulus voir ce porc immonde couché à mes pieds. Que m'importe ton regard de poisson mort? Je l'ai voulu, ce regard, et j'en jouis. Quel cri! Quel cri! Je veux ces cris d'horreur. Et je veux ces souffrances. Joie, joie, je pleure de joie. Mes ennemis sont morts et mon père est vengé. Des précieuses ridicules. Vous vous rappelez l'histoire, c'est un bourgeois, Georges Hidoux, qui veut marier sa fille et sa nièce avec des gens de la bonne société, mais elle refuse que ce soit fait de but en blanc, brusquement. Elles veulent qu'il y ait des tas d'événements charmants, de conquêtes, etc. Et donc là, c'est la fille Madelon qui parle à son père, et d'ailleurs, on ne va rien comprendre à ce qu'elle raconte, et qui lui disent comment tout cela doit se faire avant la demande en mariage. Donc c'est Madelon. Alors je voulais juste dire quand même, il y a 2-3 mots qu'il faut comprendre. Bon, surtout le mot amant au XVIIe siècle, ça n'a pas le sens actuel, c'est celui qui aime, et de même que faire l'amour n'a pas le sens actuel, mais c'est faire la tour, hein, on comprendrait bien. Voilà. Alors je vais lire. Ça va, là, je suis trop près, non? Ça va? D'accord. Alors, donc, elle parle à son père, maintenant. Mon père, voilà ma cousine qui vous dira, aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais arriver qu'après d'autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments. C'est le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit venir au temple ou à la promenade ou dans quelque cérémonie publique la personne dont il devient amoureux, ou bien être pendu fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante
qui exerce les esprits de l'Assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui, pour un temps, bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela, viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et tout ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue. Encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé, et j'ai mal au cœur à la seule vision que cela me fait. Alias Maria Casares. Voilà, donc nous sommes en Bohème. Martha, ça vous parlait, tient avec sa mère une auberge où régulièrement elles assassinent des riches voyageurs pour les dépouiller, car leur rêve est de tuer cette femme bohème et d'aller vivre comme Camille le souhaite évidemment, au soleil, au bord de la mer, au beau temps. Leur dernière victime, malheureusement, est le frère qui était parti il y a une vingtaine d'années, qui lui a réalisé son rêve de vie au soleil et qui est revenu revoir sa famille et leur faire partager son bonheur. Malheureusement, il n'a pas voulu se faire reconnaître de sa famille, d'où le malentendu, et cette scène est au dénouement où elle a... Martha a compris qu'ils avaient assassiné le frère. La mère a décidé de se suicider parce qu'elle ne supporte plus sa vie. Et Martha décide aussi de se suicider puisqu'elle voit que ses rêves ne seront jamais accomplis et que sa mère, en quelque sorte, la trahit. Non, je n'avais pas à veiller sur mon frère. Et pourtant, me voilà exilée dans mon propre pays. Ma mère elle-même m'a rejetée. Mais je n'avais pas à veiller sur mon frère. Ceci est l'injustice qu'on fait à l'innocence. Le voilà qui a obtenu maintenant ce qu'il voulait, tandis que je reste solitaire, loin de la mer dont j'avais soif. Oh, je le hais. Toute ma vie s'est passée dans l'attente de cette vague qui m'emporterait, et je sais qu'elle ne viendra plus. Il me faut demeurer avec, à ma droite et à ma gauche, devant et derrière moi, une foule de peuples et de nations, de plaines et de montagnes, qui arrêtent le vent de la mer et dont les jacassements et les murmures étouffent son appel répété. D'autres ont plus de chance. Il est des lieux pourtant éloignés de la mer, où le vent du soir, parfois, apporte une odeur d'algue. Il parle de plages humides, toutes sonores du cri des mouettes, ou de grèves dorées dans des soirs sans limite. Mais le vent s'épuise bien avant d'arriver ici. Plus jamais je n'aurai ce qui m'est dû. Quand même je collerai mon oreille contre terre, je n'entendrai pas le choc des vagues glacées ou la respiration mesurée de la mer heureuse. Je suis trop loin de ce que j'aime et ma distance est sans remède. Je le hais pour avoir obtenu ce qu'il voulait. Moi, j'ai pour patrie ce lieu clos et épais où le ciel est sans horizon. Pour ma faim, l'aigre prunier de ce pays, et rien pour ma soif, sinon le sang que j'ai répandu.
Voilà le prix qu'il faut payer pour la tendresse d'une mère. Qu'elle meure donc, puisque je ne suis pas aimée. Que les portes se referment autour de moi. Qu'elle me laisse à ma juste colère. Car avant de mourir, je ne lèverai pas les yeux pour implorer le ciel. Là-bas où l'on peut fuir, se délivrer, presser son corps contre un autre, rouler dans la vague, dans ce pays défendu par la mer, les dieux n'abordent pas. Mais ici, où le regard s'arrête de tous côtés, toute la terre est dessinée pour que le visage se lève et que le regard supplie. Oh, je hais ce monde où nous en sommes réduits à Dieu. Mais moi, qui souffre d'injustice, on ne m'a pas fait droit. Je ne m'agenouillerai pas. Et privée de ma place sur cette terre, rejetée par ma mère, seule au milieu de mes crimes, je quitterai ce monde sans être réconciliée. Voilà. Figez-nous, dialogue de mort. Il s'agit d'une pièce très courte, écrite par Ernest Renan, pour commémorer la naissance de Victor Hugo. Et c'est pourquoi cette petite pièce porte le titre 1802, c'est l'année de naissance de Victor Hugo. La scène se passe dans le bosquet des Champs-Élysées, réservé aux ombres du mortel de la Comédie française. Lumière douce, un peu triste. Sol fleuri, prairie d'asphodèle, deux sièges de marbre antique. Corneille, Racine, Boileau, Voltaire, Diderot, d'autres encore, en costume de leur temps. Toutes les couleurs sont atténuées et fondues en une nuance pâle et blanche qui fait ressembler les personnages à des ombres. Sorte des statues de marbre vivantes. Ils vont et viennent, deux à deux, ou en groupe, lentement, causant d'un ton grave. Un petit génie ailé, Camillus, met les bienheureux au courant des choses de la terre et des volontés célestes. Camillus, en entrant, se pose sur le fauteuil de gauche, des livres et une sorte de bulletin. Camillus. Nos grands morts vont venir. Camillus parcourt rapidement le bulletin. Paris, 1802. Bulletin littéraire, Atala. Bulletin politique, Marengo, Owen Linden. Canonnade sourde dans le lointain. Même au pays des bienheureux, on veut encore entendre le bruit de la terre, ces ombres immortelles de la Comédie française qui ont accoutumé de se réunir ici pour s'entretenir de beautés éternelles, se fatigueraient de leur gloire et de leur paix si chaque jour, par l'ordre du génie suprême, je ne leur apportais les nouvelles de Paris. Ce que j'admire en ces esprits purs, c'est comme ils restent toujours eux-mêmes et comme ils se transforment. Les siècles les grandissent, les rassérèrent et pourtant les laissent ce qu'ils furent. Moi, qui les connais, je sais qu'ils rajeunissent. Ils aiment plus que jamais ce qu'ils aimèrent et pourtant l'horizon de leur pensée s'élargit sans cesse. Ils appellent ceux qui doivent les continuer. Ils semblent uniquement préoccupés de l'avenir. Qui sait si les vœux et les pressentiments des génies ne créent pas la réalité? Ils s'éloignent. Voltaire et Diderot entrent se promènent sur le second plan. Voltaire s'arrête près des livres déposés sur le banc de gauche et feuillette un petit volume en souriant. Corneille et Racine entrent en même temps et s'assoient sur le banc de droite. Racine. Oui, cette génération nouvelle m'étonne et je crois qu'en effet j'oublierai les excès qu'il y a 10 ans chez Corneille en souvenir des héros d'aujourd'hui.
Je verrai ce jeune siècle sorti du sang et des larmes et qu'un dieu inconnu dirige peut-être. Mais dites-moi, grande ombre chérie, n'êtes-vous pas frappé d'une chose? Le siècle a 2 ans et ses destinées littéraires sont obscures encore. La vie, la chaleur, la lumière semblent s'être retirées de la langue que nous aimons. Cette stérilité ne vous effraie-t-elle pas? On entend une canonnade et le chant « En avant, marchons par-delà des monts, courons à la victoire. » Corneille. Oh non, mon cher Racine, non, âme douce et courtoise, ce bruit m'est un sûr présage. La vieille familiarité avec les héros me remplit d'espérance. Les grands siècles se font toujours des poètes dignes d'eux. L'auréole de la poésie et celle de la gloire sont composées des mêmes rayons. Dans notre cher pays de France, il n'y a jamais eu de victoire sans génie pour la chanter. J'attends beaucoup. La canonnade redouble. Oh, que cela est de bon augure. Il me faut un poète nouveau. Ce qui se passe est grand, et il me semble que ceux qui naîtront dans cet orage auront des poitrines de fer et des voix d'airain. Les héros sont nos confrères. Un vers sublime est, dans l'ordre de l'harmonie, ce qu'un coup d'audace souveraine est dans le grand jeu de bataille. Et quel affadissement notre art est tombé. La vieille lyre est brisée. Notre verre, où se répercutaient 1000 tonnerres, est changé en une crécelle, au son âpre, sec et dur. Je veux pour ce siècle naissant un poète sonore qui sache rendre la plainte immense de la terre se levant dans l'infini. Je veux entendre dans ce verre l'écho du bruit qui entourait son berceau, les éclats de la foudre se mêlant au rugissement profond du volcan, le bourdon de Notre-Dame accompagné du canon, de la trompette et du tambour. Et ça continue jusqu'au moment où on apprend que Victor Hugo est né. Attends, on est où là? Cyrano, il est via. Oui. Lydia, non? Bon, Catherine. Κάτσε που. Η Λιδία. Εδώ ήταν, γιατί μου την έχεις. Νο. Bon. Κατερίνα. Κατερίνα. Η Καπρίση Μάρια. Écris sur tes tablettes, Jésus, que ces lignes doivent être fondées dans le paradis. Est-ce qu'un vrai que tu as un paradis? En vérité, cette femme était belle, et sa petite colère lui allait bien. Tout venait-elle? Est-ce que je plains? Qu'importe comment la bille d'ivoire tombe sur le numéro que nous avons arrêté. Souffler une maîtresse à son ami, c'est des fois trop connu pour moi. Marianne ou tout autre, qu'est-ce que cela me fait? La véritable affaire est de souper. Il est toi qui es goyeux d'enjeux. Quand tu m'aurais détesté, Marianne, si je t'avais aimé. Quand tu m'aurais fermé ta porte. Quand ton pélire de mari t'aurait paru un Adonis et Sylvain en comparaison de moi. Où est donc la raison de tout cela? Pourquoi la fumée de cette pipe va-t-elle à droite plutôt qu'à gauche? Voilà la raison de tout. Fou, 3 fois fou allié, c'est lui qui calcule ses songes, qui met la raison de son côté. La justice céleste tient une balance dans ses mains. La balance est parfaitement juste, mais tous les poids sont créés. Dans l'un, il a un pistolet, dans l'autre, un soupir amoureux, dans celui-là, une migraine, dans celui-ci, il y a les temps qu'il fait. Et tout
toutes mes actions humaines s'envolent des autres à bas, selon ce poids apprécié. Roxane seule, c'est la sultan. Et elle est amoureuse de Josette et qui aime Mathalie. Ma rivale à mes yeux s'est enfin déclarée. Vois sur quelle foi je m'étais assurée. Depuis 6 mois entiers, je crie que nuit et jour ardent, elle veillait aux soins de mon amour. Et c'est moi, judicien ministre trop fidèle, sans depuis 6 mois ne veiller que pour elle, qui me suis appliquée à chercher les moyens de lui faciliter tant d'heures à 30 ans. Et qui même souvent, prévenant son envie, et à tel moment le plus doux de sa vie. Ce n'est pas tout. Il faut maintenant m'éclaircir. Si dans sa perfidie elle a su réussir, il faut... Mais que pourrais-je apprendre davantage? Mon malheur n'est-il pas écrit sur son visage? Vois-je pas au travers de son saisissement et un cœur dans cette douleur content de son amant? Exerce les soupçons de je suis tourmentée. Ce n'est que pour ce jour qu'elle n'était pas épouvantée. N'importe, poursuivons. Elle peut, comme moi, sur des gosses, tromper, s'assurer de sa foi. Pour les faire expliquer, tendons-lui quelques pièges, mais quel indigne emploi moi-même m'impose. Quoi donc? À mes genêts, appliquant mes esprits, je réfère à mes yeux éclater ses mépris. Lui-même, il peut prévoir et tromper mon adresse. D'ailleurs, l'ordre, l'esclave et les vizirs me pressent. Il faut prendre parti, l'homme attend. Faisons mieux. Surtout ce que je vis, fermons plutôt les yeux. Laissons de leur amour la recherche et fortune, poussons à bout les craves et tentons la fortune. Voyons. Si par mes soins sur le tronc élevé, il osera trahir l'amour qui l'a sauvé, et si de mes bienfaits lâchement libéral s'en est à osera couronner ma rivale, je saurai bien toujours retrouver le moment de punir, s'il le faut, la rivale et l'amant. Dans ma juste fureur, observant le perfide, je saurai le surprendre avec son atalide. Et de mes poignards, les innocents tous deux, les percer l'un et l'autre, et moi-même après eux. Voilà. N'en doutons point, les parties qu'il faut prendre, je vais tout ignorer. Merci. Niki, merci. L'école des femmes. Idéal. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Γιατί? Μου βασανίζουν το μυαλό άλλα πράγματα. Και ο γάμος που αποφάσισες, πότε θα γίνει? Πολύ ανακατεύεσαι στις δουλειές των άλλων. Γιατί μου μιλάς τόσο απότομα? Μήπως κάτι δεν πάει καλά στα ερωτικά σου? Μα ναι, αν κρίνω από το κατσουκιασμένο πρόσωπό σου, αυτό είναι. Ό,τι και να έχω, δεν θα μοιάσω σε μερικούς που ανέχονται τον αγαπητικό της γυναίκας τους. Παρόλη τη μόρφωσή σου, είσαι απόλυτος αυτό το πράγμα. Εξαρτάς από αυτό την ευτυχία σου και το θεωρείς μοναδική τιμή στον κόσμο. Αν κάποιος είναι φιλάργυρος, πονηρός, άναντρος, κακός,
ούτε που δίνει σημασία. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να μην είναι κερατάς. Τα λόγια σου θα χαροποιούσαν κάθε κερατά. Τι δηλαδή, θες να τους θεωρώ και τυχερούς που τους ντροπιάζουν οι γυναίκες τους? Όχι βέβαια. Όμως ο γάμος είναι θέμα τύχης. Σαν τα ζάρια. Και πρέπει να έχεις την επιμονή να διορθώσεις ό,τι παίρνει τύχη. Δηλαδή, ακόμα και να με κερατώνει η γυναίκα μου, εγώ θα πρέπει να τρώω και να πίνω ανέμελος λέγοντας «Δεν βαριέσαι, κάποτε όλα θα αλλάξουν». Όχι, αλλά να σκέφτεσαι πως υπάρχει και χειρότερα. Εγώ θα προτιμούσα να έχω μια γυναίκα που να με κερατώνει, παρά μια στρίγλα δίθεν ηθική που θα μου έκανε καυγάδες κάθε μέρα και θα με βασάνιζε. Άκου φίλε, καμιά φορά το κεράτωμα είναι πιο ανώδυνο από πολλά άλλα. Μπορεί εσένα να σου αρέσει, όμως εγώ δεν έχω καμία όρεξη να το δοκιμάσω. Και παρά να υποστώ μια τέτοια περιπέτεια, προτιμώ... Μην λες πολλά, γιατί μπορεί και εσύ να το πάθεις. Αν το θέλεις, τι. Και τότε θα σε δω. Τι, εγώ να γίνω κερατάς? Γιατί όχι, χιλιάδες άλλοι γίνονται. Καλύτεροι από σένα. Πιο όμορφοι, πιο πλούσιοι και πιο αριστοκράτες. Δεν δέχομαι να συγκριθώ μαζί τους. Σε παρακαλώ, σταμάτα τα πειράγματα γιατί θυμώνω. Τέρμα η συζήτηση. Γιατί είσαι τόσο ευέξαπτος? Πού θα πάει, κάποτε θα μάθουμε τον λόγο. Και τώρα φεύγω, γεια σου. Πάντως να ξέρεις, άμα αρχίζεις να λες ότι δεν θα γίνεις κερατάς, έχεις κατά το ίμιση εκείνη. Παράτα με! Μπράβο. Léana? Léana, je crois qu'elle n'est pas là, donc on passe. Elle n'est pas là. Non. Emilia? Hélène. Au bout de Hélène, c'est toi. Merci. Bonjour, je suis Hélène, Hélène Zofilis. Je vais vous lire l'école des femmes. Je vais être Arnaud. Mais vous allez m'excuser parce que je tousse un peu, j'en ai rapport. Mais j'essaie de ne pas vous décevoir. Chacun a sa méthode. En femme, comme en tous, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi. Et de qui la soumise et pleine dépendance n'ait à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté oppressée, de la lui demander, il me vint la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quel soin on emploierait pour la rendre idiote, autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente, et grande, je l'ai vue à tel point innocente que j'ai bien béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure à 100 sortes de monde est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz, pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si, de mon choix, on me doit condamner. Bravo, Hélène. Et merci. Si on est ouvert le roi, Muriel. Alors, Cyrano de Bergerac, c'est au début de la pièce, l'acte 1, et c'est la fameuse tirade du nez. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Je pouvais dire, oh Dieu, il y a des choses en somme
en variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Hein, pour voir, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écriture, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Saint monsieur, lorsque vous pétulez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce pas de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampé l'éléphantocamélos, dû avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quand la nuit se croit à la mode, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. En fait, aucun vent ne peut, ni magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique. C'est le mirouche à Bruxelles. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Absolument pas, lui dit-on. Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Compagnard. Et ardé, tu tiens nez, là, c'est que de navet géant ou pas que de melon d'un mot? Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en tri? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant pirate en un sanglot, le voilà donc ce nez qui détruit de son maître à détruire l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez vu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Alexis. Alors, la même théâtre en grec. Υπάρχουν χίλια πιο να πεις, τόσα και τόσα θέλω, σε τόνους διαφορετικούς, πρόσεξε λόγου χάρη, προκλητικά. Αγαπητέ, αν είχα ένα στουρνάρι τέτοιο στην όψη μου, με μια θα το είχα εγώ συγκρύψει. Ή φιλικά, μα θα βραχεί με στο φλιτζάνι αν σκύψει. Να παρατείνεται ειδικό απίθυμενο ποτήρι, ικανότητας περιγραφή. Τι βράχος, τι ακροτήρι, μόνο ακροτήρι ο γόνιτος. Μύτη μια χερσονή σου, δείχνοντας περιέργεια. Την κουβαλάς μαζί σου μήπως για θήκη ψαλιδιών ή για το φιλοφόρο. Με χάρη. Μα για τα πουλιά φρόντισες να έχουν χώρο και να μπορούν να βρίσκουν κάτι για να πατάνε. Υπάρχουν κι άλλοι όπως εσύ που έτσι να τα αγαπάνε. Στα ράτα. Όταν καπνίζεται κύριε μου ένα τσιγάρο δεν βγάζει ολόμαυρο καπνό. Σαν να ήταν φουγάρο και από τη φωτιά η γειτονιά για να σωθεί δεν τρέχει. Ή προειδοποιώντας μου. Με αυτό το βάρος που έχει, προσέξτε, μήπως και οι δυο στο χώμα σοριαστείτε. Ιστορικά, ένα μικρό σκιάδι να της βρείτε, γιατί με αυτή την ευηλιά το χρώμα της το χάνει. Σαν λόγιος. Μόνο εις το ζώον, εν το αριστοφάνι, στο ρίγχος της υποκαμπό ελεφαντοκαμίλου, δεσπόζει τέτοιο σάλκωμα έμπροσθεν του τραχύλου. Υποτικά. Μα τι είναι αυτό, μοδάτη καπελιέρα? Εκεί επάνω την ψάχνη σας βολεύεται όλη μέρα. Ρητορικά.
Μη τη τρανή ασμένο δε η ανέμη, κανείς δε σε κοκκίνησε εκτός από το μεντέν. Με στόμφο. Θάλασσα ερυθρά όταν αιμορραγήσεις. Θαυμάζοντας, τι ευωδιές μπορείς να διαφημίσεις. Με ρυθμό. Είναι τρίτονας, όστρακο ή μνημείο. Μαφέλια, κάνει έκθεση ετούτο το μουσείο. Με σεβασμό. Τα σέβη μου, κύριε, προσκυνάω. Ποιον δρόμο η πινακίδα σας μου δείχνει για να πάω. Σαν χωρικός, ρε αδερφέ, μοιάζεις με πελεκάνο. Φοράς κογκύλι γίγαντα. Φοράς πεπόνι νάνο. Στρατιωτικά. Τη λόγχη σας εφόπλου, μεραρχία. Ή πρακτικά, τη βάλατε ποτέ σε λοταρία. Πρώτο λαχείο θα είναι αυτή για όποιον την κερδίσει. Ή αν τον πείραμο κανείς εν τέλει παροδίσει, ειδού η μύτη που έκανε φρικτό τον κύριό της στην όψη. Τώρα κόκκινη γίνεται από τον καημό της. Αυτά μπορούσε να μου πει το στόμα το δικό σου. Αν είχες λίγα γράμματα, καλέ μου στο μυαλό σου. Αλλά από πνεύμα δύσμηρε η τρέ και δίχως χάρη, δεν έχεις ούτε τόσο δρά. Και από τα αλφαβητάρι ξέρεις τα 6 γράμματα μόνο της λέξης πλάκας. Μα ακόμα και αν κατόρθωνες πνεύμα εσύ της πλάκας, φράσεις λαμπρές όπως αυτές τέλος να επινοήσεις, στα θεωρία αυτού τα ευρώς για να με εκμετρήσεις, δεν θα μπορούσες να μου πεις ούτε καν μία φράση από όλα όσα η γλώσσα μου ως τώρα έχει εκφράσει. Γιατί μονάχα εγώ μπορώ σε αυτά να διαπρέπω, μόνο εγώ τον ίστρο μου σ' άλλον δεν επιτρέπω. Αυτό το ρόλο τον έχει ερμηνεύσει ο Χωσέ Φεραίρο, Ζεράρ Ντεπαρκέ, ο Βασίλης Χαρλαβόπουλος, όσα για μένα, πολύ χειρότερα. Είσαι ωραίος, ρε! Alors, deux écrivains, journalistes, traducteurs, Spiro Yannaras, Kostas Kalfopoulos, Kostas Kalfopoulos, Spiro Yannaras, Le Ping-Pong, Adamov. L'un va lire en français et l'autre en grec. Oui, Pitou. Καλημέρα, bonjour à tous. Voilà. Θα συσκευάσουμε ένα απόσπασμα από το θεατρικό έργο του Arthur Adamov με τίτλο Le Ping-Pong. Το Ping-Pong έχει καταφραστεί και στα ελληνικά. Μη σας ξεγελά ο τίτλος, αφορά το φλιπεράκι. Ο Αρτύρ ετοιμάζεται να παίξει. Έχεις δίκιο. Ας παίξουμε τις περίφημες παρτίδες του Σιτέρ. Σαρκαστικά. Αυτός παίρνει και εμείς στερίζουμε. Σειρά του και σειρά μας. Ο Βικτόρ ακουμπά τους αγώνες του στο μηχανάκι, αποφασισμένος να ακούσει το κήρυγμα του Αρτύρ. Στο κάτω-κάτω θα ήταν περισσότερο ευχαριστημένος αν δεν εκμεταλλευόμασταν την νίκη του. Το παραδέχεσαι ότι θα ήταν ευχαριστημένος. Ο Βικτόρ κάνει μια χειρονομία επεκτυγής. Από την άλλη μεριά, τι μα νοιάζει εμάς αν χαίρεται ή όχι ο Σιπέρ. Αρχίζω. Tu commences, comme c'était attendu. Πηγαίνει προς το ταμείο και παίρνει την εφημερίδα. Κουνά το μηχανάκι που φαρακάει ο Σιπέρ. Βικτόρ! Victor, έλα γρήγορα. Όλα, τα πάντα σβήσανε. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as secoué trop fort, évidemment. Όχι, όχι περισσότερο από συνήθως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω απολύτως. Κουνά το μηχανάκι πάλι. Écoute, tu l'as déjà détraqué. Inutile de décoller complètement. Viens, nous n'allons pas rester ici. Attends la lame du rentier. Car telle que je la connais. Mais τι μου ήταν να μιλήσει. Με ένα τέτοιο μηχανάκι. Tu lui exposeras tes vêtements toujours. Πιάνει τον Αρτύρ από το μπράτσο, αλλά με μια απότομη κίνηση ο Αρτύρ απελευθερώνεται. Αρτύρ, σκεπτικός μπροστά στο μηχανάκι. Η πίτα συνεχίζει να παίζει, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν ανάβει κανένα φωτάκι. Τα πάντα έχουν μπλοκαριστεί. Κοίτα! Vous regardez quoi? Le résultat des prouesses? Oui, intéressant, en effet. Il tire violemment Arthur par la manche. Καλά, έρχομαι. Σκοτάδι. Ύστερα, δύο προβολείς ανάβουν και φωτίζουν τον Αρτύρ και τον Βικτόρ που στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον στο προσκήνιο. Βικτόρ, έχεις ένα ύπος σαν να με παίρνεις για τρελό. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Εκτός αν δεν εξηγήθηκα καλά, που δεν το νομίζω. Άκου.
Τι συμβαίνει όταν παίζεις και από αποσεξία κουνήσεις λίγο το μηχανάκι? Μπλοκάρει. Γι' αυτό είναι ολέθριο για όλο τον κόσμο. Ο παίκτης αισθάνεται αδικημένος και εξαγριώνεται. Και από τη μεριά του ο ιδιοκτήτης κάνει το έσοδο που εκπροσωπούσε για αυτόν τον μηχανάκι. Λοιπόν, με το σύστημά μου αυτά τα δύο μειονεκτήματα εξουδετερώνουν. Φτάνει μόνο να ξαναρίξει ο παίκτης ένα δίφραγμο για να ξαναπάρει μπρος το μηχανάκι και να μπορέσει να παίξει ένα ακόμα παιχνίδι. Είμαι σαφής, μου φάνηκε. Recommence pas à déplacer le problème. Oui, l'idée est défendable, mais je maintiens qu'il n'y a aucune raison pour que le consortium te charge, justement toi, Arthur, de perfectionner ces appareils. Et puis tes renseignements, de qui les tiens-tu? De Sutter. Or, tu as passé des heures à me démontrer par A plus B que Sutter n'était rien d'autre qu'un pauvre encaisseur faisant le beau pour séduire une malheureuse jeune fille. Victor, δεν άλλαξα ιδέα για την προσωπική θέση του Sutter στον οργανισμό. Έλεγα και λέω πάντα πως όχι μόνο δεν είναι παιδικός φίλος του διευθυντού, αλλά πως ποτέ δεν τον έχω συναντήσει. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τώρα τόσο απλά όσο θέλεις να πιστεύεις. Monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît.
Si vous en êtes comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 4 sols. 3 et 2 font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. 63 livres. 4 sols. 6 demi. C'est bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas, si je me prends assez bien ce mois-ci que l'autre. Je lui dirai à monsieur Pourgon avant de le mettre en bras cela. Oh, je ne me sens pas. Madame. Marianne est là. Non, elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Okay. Salut Marianne. Micro. On est en affaire pour trois personnages, une assistante et Carson. Avez-vous, si vous pouvez m'aider avec Carson, sans façon. Il faut donner le micro peut-être à Catherine. Ah, oubliez, quel attendrillage. Je vous sens juste dans mes os. Votre silence m'écrit dans les oreilles. Vous pouvez vous couper la bouche, vous pouvez vous couper la langue. Est-ce que vous empêcherez d'exister ? Arrêterez-vous votre pensée ? Je l'entends partout. Elle fait tic-tac comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Je l'entends. Vous avez beau vous incliner sur votre canapé, vous êtes partout. Les sons m'arrivent sur les parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous les connaissez, mais je ne les connais plus. Et elle, vous m'avez volé aussi. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle me traiterait comme elle me traite? Non, vous restez là. Vous avez beau vous inconnir sur votre canapé. Ce serait trop facile. Non, vous resterez là, sensible, plongé dans vos pensées. Et moi, je fermerai les yeux. Je ne regarderai pas comme elle vous traite. Vous resterez comme un Bouddha et moi, je ne dirai rien. Non. J'aurai les vaisseaux, je sentirai qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, même le froissement de sa robe, et qu'elle vous envoie des sourires que vous n'aimez pas. Pas de ça. Je vais choisir mon enfer. Je vais vous regarder de tous mes yeux et mourir en visage découvert. C'est bon. Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont tous manœuvrés comme des enfants. S'ils m'avaient logé avec des hommes. Des hommes, ça peut être. Mais il ne faut pas trop demander. Alors, petite, je te plais. Il paraît que tu me faisais de l'œil. Merci. Et maintenant, c'est... Gilbert, Jean-Louis. Jean-Louis et Gilbert, voilà. Allez, bonjour, on va vous lire un petit extrait du Mariage de Figaro de Beaumarchais, mais c'est autant pour vous résumer l'histoire que pour montrer que cette... animosité qu'ont en général les Français à l'égard de la perfide Albion, c'est
publique. Déjà Beaumarchais le signale dans un de ses petits, dans un de ses petits écrits. Voilà. Vous pouviez fuir par l'escalier. Et vous, le prendre au corridor. Au corridor ? Je m'emporte. Et lui est ce que je veux savoir. Voyons le venir et jouons serré. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laissons ce. J'avais quelques envies de t'amener à Londres. Courrier de dépêche, et toute réflexion faite. Monseigneur a changé d'avis. Premièrement, tu ne vis pas l'anglais. Je sais Gotham. Je n'entends pas. Je dis que je sais Gotham. Eh bien. Diable, c'est une belle langue que l'anglais. Il en faut peu pour aller loin. Avec Gotham et Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras, entrez dans une taverne et faites seulement ce geste au garçon. Godard, on vous apporte un pied de bœuf sans pain. C'est admirable. Aimez-vous boire un coup d'excellent Bourgogne ou de Clairet? Rien que celui-ci. Godard, on vous sert un pot de bière en bel étain avec de la mousse au bord. Quelle satisfaction! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trop en menu, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillant un peu des hanches? Mettez milliardement tous les doigts unis sur la bouche. Godam, elle vous semble un soufflet de crocheteur. Preuve qu'elle entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci, par-là, quelques autres mots en conversant. Mais il est bien aisé de voir que Godam est le fond de la langue. Et si Monseigneur n'a pas d'autre motif de laisser en Espagne. Il veut venir à Londres. Elle n'a pas parlé. Virginie, Agnès. Allez les amis. Je ne moque point et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la ville. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourbe. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin, philosophe, est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage, et crois voir en nous deux, sous même soin nourri, ces deux frères que par l'école des maris. Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâchée d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront bloqués dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Non, elle est générale. Et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants. Et les autres pour être aux méchants complaisants. Et n'avoir pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses.
De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le français Léréat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit plein de traîtres. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat digne qu'on le confonde par de sales emplois s'est poussé dans le monde. Et que par eux, son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quel titre honteux qu'en tout lieu on lui donne. Son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le faux, infâme et scélérat maudit. Tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Tête bleue, ce sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert à la proche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous loin en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec un peu douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable à force de sagesse, on peut être amable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir autant sans obstination. Et c'est une folie à nul autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. J'observe comme vous, sans chose, tous les jours, qui pourrait mieux aller, prenant un autre cours. Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courant comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flègue, mon philosophe, autant que votre ville. Et je suis Lorenzo. C'est l'acte 4, scène 5. Catherine vient de sortir. Par le ciel, quel homme de cire suis-je donc? Le vice, comme la robe déjà mire, s'est-il si profondément incorporé à mes fibres que je ne puisse plus répondre de ma langue et que l'air qui sort de mes lèvres se fasse ruffiant malgré moi? J'allais corrompre Catherine. Je crois que je corromprais ma mère si mon cerveau le prenait à tâche. Car Dieu sait quelles cordes et quels arcs de Dieu ont tendu dans ma tête et quelles forces ont les flèches point par. Si tous les hommes sont les parcelles d'un foyer immense, assurément, l'être inconnu qui m'a pétri a laissé tomber un tison au lieu d'une étincelle dans ce corps faible et chancelant. Je puis délibérer et choisir, mais non revenir sur mes pas quand j'ai choisi. Oh Dieu, les jeunes gens à la mode ne se font-ils pas une gloire d'être vicieux? Et les enfants qui sortent du collège ont-ils quelque chose de plus pressé que de se pervertir? Quel bourbier doit donc être l'espèce humaine qui se rue ainsi dans les cavernes avec des lèvres affamées de débauche? Quant à moi, qui n'ai voulu prendre qu'un masque pareil à leur visage et qui ai été au mauvais lieu avec une résolution inébranlable de rester pure sous mes vêtements souillés, je ne puis ni me retrouver moi-même, ni laver mes mains, même avec du sang. Pauvre Catherine, tu mourrais cependant comme Louise Strozzi ou tu te laisserais tomber comme tant d'autres dans l'éternel abîme, si je n'étais pas là. Oh, Alexandre, je ne suis pas dévot, mais je voudrais en vérité que tu fisses ta prière avant de venir ce soir dans cette chambre. Catherine n'est-elle pas vertueuse, irréprochable? Combien faudrait-il pourtant de paroles pour faire de cette colombe ignorante la proie de ce gladiateur au poil roux?
quand je pense que j'ai failli parler, que de filles maudites par leur père rôdent au coin des bornes ou regardent leur tête rasée dans le miroir cassé d'une cellule, qui ont valu autant que Catherine et qui ont écouté un ruffien moins habile que moi. Eh bien, j'ai commis bien des crimes, et si ma vie est jamais dans la balance d'un juge quelconque, il y aura d'un côté une montagne de sanglots, mais il y aura peut-être de l'autre une goutte de lait pur tombée du sein de Catherine et qui aura nourri de net enfant. Merci Hélène. Il est là. Donc Cyrano de Bergerac de Maurepas, SN 8, elle se situe après l'entretien avec Roxane à la pâtisserie. Nicolas. Et donc il est débité, légèrement en colère. Et que faut-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un vieil obscur qui tire combien à un tronc, et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire afin qu'il ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale, non merci. Une main flattée, la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et demeure de s'aimer par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes, non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames, non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer des vers en payant, non merci. S'aller faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles, non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François, non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, il est mieux faire une visite qu'un poème. Rédiger, déplacer, se faire représenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune. À tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui ne soit une sortie, et modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lièvre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Très belle lecture. Très belle lecture. Nicolas. Nicolas. Le Cid, acte 1, scène 5, dont Diègue renonce
à laver la faute dont il a été victime et décharge son fils, Don Rodrigue, de le venger. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, ouvre de tant de jours en un jour effacé. Nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé du tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre sans la honte? Comte soit de mon prince à présent gouverneur. Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur et dont jaloux orgueil par cet affront insigne, malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Et toi, de mes exploits, glorieux instrument, mais d'un corps tout de glace, inutile ornement, fer, jadis tant à craindre, et qui de cette offense m'a servi de parade et non pas de défense, va, quitte désormais le dernier des humains, passe pour me venger en de meilleures mains. Si Rodrigue est mon fils, il faut que l'amour cède, et qu'une ardeur plus haute à ses flammes succède. Mon honneur est le sien, et le mortel affront qui tombe sur mon chef rejaillit sur son front. Bravo, Nicolas. La statue française de Brest nous honore par sa présence. C'est ici à public, la chef de coopération de Vivaudan. Allez, on applaudit. Et Nicolas Bonzer, chef de service des cours. Merci. Vous connaissez tous cette scène, la Knock de Jules Romain. Je n'en dirai pas plus. Je ne pourrais pas venir tout à l'heure. Vous viendrez trop tard. Est-ce que ce serait un effet de votre volonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais alors dépêchons-nous, parce que j'ai rendez-vous avec M. Bernard, l'instituteur, et avec M. le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà, quand j'ai dîné, il y a des fois que je me sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Ah, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien aussi un peu. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici? Où cela, par ici? Là ou peut-être entre les deux. Juste entre les deux? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Hein. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, très important. Quel âge avez-vous? 51. Dans mes 52. Plus près de 51 ou de 52? Plus près de 52. Je vous aurai fin novembre. Bien, mon ami, faites votre travail aujourd'hui, comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites à personne, c'est une faveur. Hein? Vous êtes trop bon, docteur, mais c'est donc grave, ce sujet. Oh, ce n'est peut-être pas encore très grave. Mais il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chique. Ah, une défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? Je bois raisonnablement.
plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Ah, sagesse totale de ce côté-là. Hein. Bon, aujourd'hui, puisque vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous dis. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Je me sens vraiment pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces, comme d'habitude, comme si de rien n'était, et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Bravo. Merci, merci. L'Institut français de Grèce, à nouveau, en la personne de M. Philippe Mosentin, de l'attaché de coopération éducative. Et après, nous allons essayer d'avoir une petite surprise pour vous. Ah, c'est juste pas vous, après. La surprise. Si, déjà, c'est le début. Bien, alors moi je vais vous lire un extrait du monologue d'Adré Malèche, qui est un texte qui relève plus de la... C'est un vrai morceau de littérature, mais qui relève plus de la performance que peut-être la littérature. C'est un simplement un extrait, parce que ce dialogue se déroule sur plusieurs dizaines de pages. Et donc, je m'arrêterai lorsque vous serez fatigué. Peut-être que la fatigue va venir rapidement. Et bref... Ce n'est pas aujourd'hui que le vieux mamelouk va se mettre à faire des petites courbettes à la carpette du n'importe quel des jours qui se dressent. Soleil ou pas, je le salue. Tiens, voilà Ducos qui passe avec sa deux chevaux. Ça me fait rappeler qu'on aurait dû s'acheter de quoi avant que ça se ferme. Tonnerre, où est-ce qu'il laisse des clients? Et qui c'est qui cogne? C'est les coups de l'eau, idiot, les premiers raies du vrai louchant. T'entends? C'est l'eau, idiot, les premiers secous du sale palport, répète. Et rien que le jour ancien qui se ramène encore avec son vieil ian, salut, salut, grand astre cru, tes traits de lumière vive percent le coin. Mieux le saluer et remercier pour les parages si doliment qui illuminent mécaniquement. Allez, descends, et te lève plus, vilain soleil, n'apparaît plus. Veux qu'il exauce aussitôt ce petit con. Plus rien de rayon, v'là déjà à l'ennemi qui me tire dessus avec son sale plafond, et v'là le soir avec son soleil qui tombe, et v'là le jour qui me pointe dessus avec sa blancheur moche, et re-v'là le soir, il fait tout sombre. Reviens, blond, belle et beau, va te coucher, vilain rayon. Nous avons trop mal à nos gîtes et nous ne voulons plus, j'aime qu'on voit plus rien, ni nos museaux, ni du tien. Il s'en va toujours obéissant. Et nous nous retrouvons, traînant nos basses pancartes, basses, sur coup, où sont inscrites les lettres alphabétiques. Si J, sans pain, sans pied et sans futur, la figure noire du pauvre souchetron, laissé ici, tout seul, à l'abandon, pendant que les beaux soleils couchants éclairent ailleurs. Je te le dis, Henriette. Où sont passés les autres pigeons? Et ainsi de suite, et etc. Et il s'en va aussi comme ça pour l'été, pour l'hiver. Et autre chose encore, je glissais à Élise à toute vitesse sous l'oreiller. Et autre propos qu'elle m'échangeait, et autre mot que je lui rendais, jusqu'à ce qu'elle me quitte un beau matin d'avril frappé par mort appendicite. Hardi, beau, piaf, la soupe et consonant, quoi ton assiette, grande, petite, vide la, rapide, vide, inutile et folle ripaille. Quand je l'approche pour m'abreuver, au lieu d'y boire dedans, je n'y vois que ma souffrance dedans. Quoi, je n'y vois comme je les vois, mes révolutions s'accouplant. Sourd, coup d'effroi, choc des deux culs, coup, corps, droit, choc des deux globes inutilement caissés par l'homme, super agité et très vite hors de souffle sans plus d'air. Raconte, raconte, too late. Rien, réjouis plus mon vieux museau. Raconte, raconte. Enfin, sans jeter là, si sombre, qu'on a tout plein mon corps menu d'une petite tête joufflue 30 fois plus grosse. Raccourte, raccourte. Plus vieux, plus double, si j'étais triste, qu'on me baptisa l'épluchure. Allusion, oignacier, aux légumes, pas mon cœur larmoyant. J'épluchion en sanglant. Raconte, raconte. L'eau, les trucs d'avance, dont l'air silence. Il y a quelqu'un qui est plus. Quel est ce nouveau? Pierre Illico, fils d'André Illico et de femme Laget. Il a une chiffrée avec un lettron pour vous. Sans doute un doux pinceau. J'ai lu par transcendance. Merci, Fabien. Vous auriez bien quelque chose de chaud? Voulez-vous les bouillies? Pourquoi ce nom d'Illico que vous portez, alors que tout le monde vous connaît sous celui de Nordicus? Ah, par saint chien, que nous veut cette bavarde? Nordicus me fut donné par dérision. Je viens du sud. Quant au bouillon, merci. Je reviens d'un long tour, j'en ai déjà trop beaucassé. Relique, que dit l'inscripta?
Peut-être pas. Elle est écrite à trous couteaux ou trous de pomme. Des gouttes d'eau banales en ont bouffé les caractères. Assemblage de panneaux peu lisibles, à signaux transpercés. Il souffle dehors un vent terrible, mais me voici bien au chaud. Encore un verre ? Satanée myopie, oui. Est-ce que c'est du vieux Gangabellus ? Oui. Ce bouquet sur votre table, à Tramélèche. M'en rappelle un autre, brouté à même l'Alpe par la vache de Léon. Sauf que sur l'Alpe, à même l'Alpe par la vache à Léon. Sauf que sur l'Alpe, les végétaux sont bien plus noirs que ceux de votre petite... sont bien plus noirs que ceux des petites Alpes que vous perdez là-bas et que les amis ont pompé grandement l'air. 30 nourriciers chargés d'assurer mon dépôt, nuit et jour, se battaient. À qui couperait le bois de mon feu, lequel feu devait en principe m'écarter des bêtes. L'honneur était immense pour eux, ils persévérèrent pendant des ans, jusqu'au moment où le dume répandu d'abracassiens envahit les corps vidés, quittait l'Alpe les nôtres. 5 ans j'avais tout juste. Nous habitions Honfleur, la vive océane éclaboussait joyeusement nos frontons. Muni d'oreilles grandes, neuf et pas peu fier de mon jeune museau, je courais la plaine à coups de fléau pour en manger tout le pain. Mes frères, chaque soir, en groupe massif, partaient tirer leurs nasses au désert maritime. Tous les matins, leurs 20 convois bombés de gibier couverts de prises nous revenaient sans encombre des îles renommées. Nos aînés nous saluant, les voiles, nous, les jeunes, nous répondions par signe. Je touchais tout au sommet du plus haut des pontons. En ce temps-là, il faisait beau, trop du fond. Cessez-vous, tu nous cries l'appareil. Mais un jour, midi sonna l'hiver, soudain boudin, et je dus fuir en forêt, danse chercher, ou foutre mon corps visible hors du corps de tous les oiseaux. Déjà, ces noires salopes, épiaient les mers, guignaient d'en haut, tout nous agita. C'est sous du buis et bien caché que j'échappa à leur mangeaille, vibrante et penchant l'aile affamée, elle gueulait. On recherche illico, où est sa tête? Il sort. Ces bêtes s'en allèrent au printemps et je les vis voler à reculons. Elles passèrent l'horizon un soir à 7 heures, navrées de leur mauvaise chasse. Mon père les abattit et puis les enterra avec tout le reste des troupes allemandes. Leur sépulture fut célébrée par 100 rondes sous le soleil éclaboussant. Il y eut un grand gaspillage de vin, sacripant, factotons, qu'une corne des oreilles avec ton dévidage d'événements à la con. Si ces événements vous semblent cons, c'est que je n'avais que 6 ans et qu'à l'époque tout me semblait con. La raison, je ne l'acquis que dans le suivant, le jour de la Saint-Portaison, de Saint-Pantalon, face aux dieux vierge sculptés au pain, cierge haut tendu, bien dressé sur 2 pattes, presque plus détubant, à mi-bras, pendant que dégouline le brassard blanc, courant dentelle, le revue ma vie en mensonge imbécile. Les langes, déjà lointains, je quitte les barboteuses, atteint d'un coup complet veston, sans pour très proche l'arrivée du linceul. Cette perspective me révoltant devant le dieu présent du tabernacle, je jurais, crachant mon fou à tous vos poitons, etc. Bravo. Ça, c'est... Alors, la sévelée pour mettre, la sévelée pour que les gars. Et la sévelée pour mettre les gars. Alors, on va essayer de faire une connexion. Je crois qu'elle va vous faire plaisir. Avec oui. L'équateur. Mais non, pas avec l'équateur. Mais si. Mais si. Ah bon. D'accord. Voyons voir. Voilà. C'est Thierry. Thierry Cocon-Brink, secrétaire général de l'ambassade de France à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Thierry. Merci. Bien. Maintenant que je vous lis mon... Savez-vous ce que j'ai fait ? Le jour où j'ai appris qu'ils allaient être primés pour l'ensemble de mon... Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai couru les remises de prix pour écouter les remerciements. C'est que je n'ai pas l'habitude, moi. Toutes ces décennies passées à créer dans la solitude, le silence, l'indifférence générale, me semblait-il. Et tout à coup, cette récompense globale, si prestigieuse, je n'ai pas eu l'occasion d'entraîner. Alors je suis allé me documenter. J'ai fait 15 de festivals. J'ai vu remettre des palmes, des Césars, des Oscars, des ours, des lions, une kyrielle d'or, d'honneur en or, créée par des artistes qui ont peut-être été ou seront un jour primés pour l'ensemble de leur œuvre. J'ai assisté à des biennales aussi, à des prix littéraires, pas à tous, ils sont plus nombreux que nos fromages, à des postes de décoration, bien sûr, à toutes sortes d'introductions.
J'ai beaucoup applaudi. J'ai beaucoup écouté, observé, beaucoup. J'ai pris des notes. Et j'en ai conclu que le remerciement est un genre à part entière. Comme tous les gens, le remerciement requiert des lois. C'est un genre contrifuge, au sens contradictoire du terme. Comme un caillou qu'on lance dans une mare, remerciement fait le cercle, centrifuge, de plus en plus large, de plus en plus éloigné du centre. Le lauréat remercie d'abord le premier cercle, les notables, les plus importants, le jury, sans qui le prix ne lui aurait pas été décerné. Puis le deuxième cercle, le public, vous en l'occurrence, qui êtes ici à vous réjouir pour moi ce soir, et c'est très gentil vraiment à vous, vraiment, je vous en remercie. Puis le troisième cercle, l'équipe. Je tiens surtout à remercier mon équipe, tous ceux qui, grâce à mon, tous ceux sans qui je n'aurais pas pu, je leur offre ce... Il est rarissime qu'un lauréat ne remercie pas son équipe. Ce qui nous change beaucoup des ministres. Un ministre ne parle jamais au nom de son équipe. Depuis que je suis entré aux finances, à l'intérieur, à la justice, à l'éducation, à la culture, j'ai fait en sorte que je me suis battu pour. J'ai également demandé à mes services de me. Et dès que j'ai su que, j'ai pris la décision qui s'imposait. Un ministre n'attend jamais qu'on le félicite. Il se félicite lui-même. Grammaticalement parlant, le verbe féliciter au sens pronominal direct se félicite. Et à la seule première personne du singulier, est exclusivement ministérielle. Et je m'en félicite. Excusez-moi. Toujours dans le même ordre, donc les remerciements, jury, public, équipe, quelquefois jury, équipe, public, mais toujours se tiercer de tête. C'est très étrange quand on y songe, parce que les cercles les plus proches par les circonstances, constitués par les gens qui nous sont le moins proches. Prenez mon cas. Les membres du jury. Je n'en connais aucun. Enfin, personnellement, aucun. Ici, je vous jure, c'est un prix honnête. Il est devenu. De réputation, oui, bien sûr, un ou deux. Mais intimement, aucun. On me récompense pour l'ensemble de mon œuvre. Tant dire pour ma vie, pour mon être, pour l'essence de moi-même. Mes premiers remerciements vont être parfaits inconnus. Des gens qui ne sont rien, des gens qui distribuent leurs prix tous les temps, qui tous les ans, les pauvres, se creusent la cervelle. À qui pourrait-on bien, cette année, donner notre prix, maintenant que les copains s'en servent. Les années passent, nombreuses les années, car nombreuses sont été les copains. Par conséquent, elles passent pour moi aussi, toutes ces années de travail solitaire, un peu mytho. Et finalement, voilà que je me retrouve primé. In extremis, pour l'ensemble de mon œuvre, par de parfaits inconnus, que je remercie en priorité. Le premier cercle, le cercle le plus. Il y a tout de même des gens qui vous sont plus chers, non? Puis vient le deuxième cercle, vous donc, ici ce soir. Pourriez-vous donner un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? C'est bien ce que je craignais. Là non plus, je ne connais personne. Vous étiez là l'année dernière, pour mon prédécesseur, vous étiez là. C'était comment? C'était aussi... Non, je vous pose la question parce que l'année dernière, moi, j'y étais pas. Je n'avais pas reçu l'invitation. C'était la toute première fois que je... Qui était-ce d'ailleurs l'année dernière à ma place, ici? Quelqu'un dans l'assistance est-il originaire de Chalonge-sur-Soult? Chalonge-sur-Soult. Non, Soult. Ici, ce n'est pas le maréchal d'Empire, ça s'écrit avec un E comme la Soult.
Mais ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une rivière. C'est mon village natal, ma rivière d'enfance. Personne n'est originaire de Chalon-sur-Soult. Même lointainement, un arrière-grand-oncle natif de Cholonges, non? Et moi qui viens vous remercier avec chaleur, comme si vous y étiez. D'ailleurs, non, je ne vous ai pas encore remercié. Merci. À bientôt, mes amis. À bientôt. C'était une pièce de théâtre qui s'intitule Merci. Je fais là. Comment vous invitez à lire. Voilà. Et maintenant, Aguilera. Aguilera, est-ce qu'il mériterait d'avoir également un prix, si vous permettez un humble avis, pour son œuvre, le travail de traducteur qu'il a fait de français vers le grec? Je le dis qu'on est en tête. Achilles Kyriakidis. Achilles Kyriakidis. Trois ou quatre décennies de traduction et écrivain. Oui, oui. Για που είναι η γιορτή του Φραγκοφωνιά, έτσι διάβασα φραγκοφωνή, έτσι το μετέφρασα, είπα να διαβάσω κάτι που έχει σχέση με τα οικονομικά. Και θα διαβάσω μια σκηνή από το έργο του Ζορζ Περέ και των Μοκασιών. Θα διαβάσω τον τίτλο στα γαλλικά και μετά θα διαβάσω το απόσπασμα της σκηνής στα ελληνικά. Los Mocasions ou comment, quelles que soient les conditions sanitaires, psychologiques, climatiques, économiques ou autres, mettre un maximum de chance de son côté en demandant à votre chef de service un réajustement de votre salaire. Ελληνιστή, η αύξηση ή όλα όσα πρέπει να ξέρετε προκειμένου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν σε ό,τι αφορά στην υγεία σας, την ψυχολογία σας, τα οικονομικά σας, το κλίμα ή άλλα, να έχετε τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας όταν ζητάτε από τον τμήματάρχη σας αναπροσαρμογή του μισθού σας. Πήγατε να δείτε τον τμήματάρχη σας και ο τμήματάρχη σας ήταν μέσα. Χτυπήσατε και σας απάντησε. Περάσατε μέσα, σας ρώτησε τι σας έφερνε εκεί και σας πρόσφερε κάθισμα. Είστε καθισμένος μπροστά στον κομματάρχη σας. Χαλαρώστε, πάρτε μια βαθιά εισπνοή, σκουπίστε τον υδρότα που κατρακυλάει στο πρόσωπό σας, προσπαθήστε να κατανικήσετε τον εδρικό τρόμο που κάνει τα γονατά σας να χτύπουν μεταξύ τους. Θυμηθείτε πως δεν είναι απαραίτητο να ελπίζει κανείς για να επιχειρήσει κάτι και πως η επιτυχία δεν είναι μέτρο της εγκαθαίρησης. Εκθέστε το πρόβλημά σας με φωνή κατανοητή και με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία και σαφήνεια. Διαλέξτε τα λόγια σας με ολόκληρη ρυθμιστικότητα. Κινητοποιήστε ό,τι χρειάζεται για να συγκινήσετε την καρδιά από πέτρα του κομματάρχη σας. Προσπαθήστε όμως να διατηρήσετε μέχρι τέλους κάτι από την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια που χαρακτηρίζουν έναν πολίτη με απόλυτη συνέστηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του. Μην πέσετε στα πόδια του κομματάρχη σας, μην του φιλήσετε τα γόνατα. Πείτε του ότι έχετε φτάσει ως εδώ και μην παρέτη, πως δεν μπορείτε πια να τα βγάλετε πέρα, πως δεν είναι για τον εαυτό σας που έχετε να εκλυπαρίσετε, αλλά για τη σύζυγό σας που την ένιωσαν οι δουλειές του σπιτιού και τα πέντε παιδιά σας που τα προδορκούν αρρώστιες. Η Λαρά, η Σκαρλατίνα, οι Μαγουλάδες, η Χρυσή, η Πολυμελίτης, το Ανοίξωμα, οι Άφθες, η Νεολογική Καθυστέρηση, η Λιπόνης Ανεμία, η Όλη της Τρίτης Κοιλίας, η Λιπόνης Ανδοκαρδίτης, η Πλατυποδία. Δώστε του να καταλάβει ότι έχοντας προσδεχθεί η ηλικία 14 ετών ως ανειδίκευτος βοηθός κριτήρος με μονάδες απολαβές ύψους 11.872 παλαιών φράγκων, σήμερα μετά από 37 συναπτά έτη πιστής και δόκιμης υπηρεσίας, έχετε φτάσει στο βαθμό του αναπληρωτή υποπροϊσταμένου και εκτελείτε χρέη εντεταλμένου παρά το βοηθό του επιθυμητού να αποσπάσει στην Κεντρική Υπηρεσία Μελετών Στατιστικής και Προβλέψεων, τρίτη κατηγορία, 8ο κλιμάκιο, Β' ομάς τάξης Γ, κωδικός αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 3-15, ή τι καθαρές αποδοχές μετά από αφαίρεση των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών κρατήσεων σύμφωνα με το 5ο πενταετές σχέδιο οικονομικής αναπτύξεως, 772 νέα φράγκα και 0 νέα σαντίμ. Ή ο μονόλογός σας θα πείσει το κομματάρχη σας, ή ο μονόλογός σας δεν θα
αφήσετε τον τροματάρχη σας. Αν ο ομολογός σας πείσει τον τροματάρχη σας, αυτό θα μπορούσε να είναι καλό σημάδι. Αν όμως ο ομολογός σας δεν πείσει τον τροματάρχη σας, αυτό είναι σίγουρο πως δεν θα ωφελήσει και πολύ την υπόθεσή σας. Ωστόσο, είναι μάλλον βέβαιο ότι δεν θα καταφέρετε να πείσετε έτσι δια μια στην τροματάρχη σας. Τι θα γινόταν ο τεράστιος οργανισμός του οποίου εμείστε παρά ένα μικροσκοπικό γρανάζι, αν κάθε μικροσκοπικό γρανάζι πετύχει να αύξηση με την πρώτη που θα τη ζητούσε? Ο τμηματάρχης σας το ξέρει καλά αυτό, γι' αυτό άλλωστε είναι και τμηματάρχης. Τι θα βρεχηθεί εσείς, ένας υπάλληλος που θεωρεί το πρότυπο, να έχετε και να ζητιανέρει πενταλοδεκάρες, τη στιγμή που διαφρέζει πλούμε με ένα κόκκινο εσείς, τη στιγμή που άλλα στελέχη στο άθρο της ηλικίας τους οφείλονται στην αλλεργία? Έχετε το θράσος να παραπονείστε τη στιγμή που είστε ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου, ενός ψυγείου, ενός ηλεκτρικού σύνδεου? Είστε το όνομα της εταιρείας. Κάθε βράδυ σας βλέπω το καφενείο, με φύστακα, κοπρίτη, παράσιτο. Απομυζείτε την κοινωνική πρόνοια. Φτάσετε μέχρι του σημείου να προσπαθήσετε να ανακλέψετε το φορτό. Κάθαρμα, κακέ χάλε. Να μακανίζετε τον εαυτό σας που δεν σας πετάω έξω από τις εκκλησίες και δεν σας παραπέμπω στο πειθαρχικό συμβούλιο. Φύγετε και μη σας καταδώ στα μάτια μου. Μην κάνετε καμία κίνηση για την οποία μπορεί να μετανιώσετε αργότερα. Σηκωθείτε αξιοπρεπώς και εξέλθετε παρομοίως. Έβα. Έβα. Εδώ. Elle est là. Ben oui, elle est là. C'est grave. Το τέτοιο μόνο προσεχείτε, το καλώδιο. Το καλώδιο, το καλώδιο. Όχι, εντάξει, δεν μπορεί κάποιος. Cyrano de Bergerac. Cyrano. Attendez. Je cherche mes rimes. Là, je suis. J'enlève avec grâce mon feutre. Je fais le... lentement l'abandon du grand manteau qui m'est comme avec un feutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, Dandon? Dans le flanc, sous vos malotes, au corps, sous votre bleu cordon, les coquilles teintent, dit-on, mon point de voltige et mouche. Décidément, c'est au bédon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rume à neutre. Vous rompez plus blanc qu'amidon, c'est pour me fourmir le mot pleutre. Tac, je parle à point don, vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Prince, demande à Dieu pardon. J'écarte du pied, j'escaramouche, je coupe ses fins, et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Bravo. Figaro seul se promenant dans l'obscurité dit du ton le plus sombre. Ô femme, femme, femme,
créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son destin. Le tien est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide, et moi comme un béni. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu. Perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez ajouter, on vient. C'est elle, ce n'est personne. La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Il s'assied sur un banc. Là. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussée. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fus-je mis une pierre au cou ? Je branche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais pas où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant « Chien le chrétien !» Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues se creusaient, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent et sur un produit net. Sitôt, je vois d'un fond d'un fiacre baisser pour moi le front d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Il se lève. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on gêne les cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Bravo. Bonjour. Caligula. Allez, Caligula. Bonjour. Alors, je dois faire Caligula le moment où il s'éclate et il se jette sur le gencivement, il laisse cuire et vise. La solitude, tu la connais toi, la solitude ? Celle des poètes et des empuisants. La solitude ? Mais laquelle ? Ah, oh, tu ne sais pas que seul on n'est jamais, et que partout le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Les êtres qu'on a tués sont avec nous. Et pour cela, ce serait encore facile. Mais ceux qu'on n'a pas aimés, ceux qu'on n'a pas aimés, et qui vous ont aimé, le regret, le désir, l'amertume et la douceur, le putain et la clique de Dieu. Seul, ah, si du moins, au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence et le tremblement d'un arbre, la solitude. Mais non, ce qui vient, elle est peuplée de grincements de dents et tout entière retentissante de bruit et de clameurs perdues. Et
portrait de femme que je caresse quand la nuit se referme sur nous et que je crois, éloignée de ma chair enfin contentée, saisir un peu de moi, entre la vie et la mort, ma solitude entière sans prix, de l'aigre odeur du plaisir aux essais de la femme qui sont encore à mes côtés. Elena, Marta, non, les fourberies de Scapin. Molière, les fourberies de Scapin, acte 2, scène 7. Ô ciel, ô grâce imprévue, ô misérable père, pauvre Gérande, que feras-tu? Que dit-il de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le Seigneur Gérande? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire c'est infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici. Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Hola, es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Oh, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, quoi? Monsieur, votre fils. Eh bien, mon fils est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous amener votre fils en Alger. Comment? Diantre, 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pandard de Tur m'assassinait de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver de fer un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en plein air? Vous moquez des gens. Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'aie amassé la somme qu'il demande. Et monsieur, songez-vous à ce que vous dites et vous figurez-vous que ce Turc et si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, messieurs, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? N'a-t-il pas de conscience? Vraiment, oui, de la conscience, un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus?
Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le traître que 1500 livres se trouvent dans le bas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'attendent point de raison. Mais que diable allait-il faire à ces galères? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez-vous. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, tu l'ouvriras fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les arts qui sont dans cette grande mangue et tu les prendras au fripier pour aller racheter mon fils. Mais messieurs, rêvez-vous, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, que des paroles perdues! Laissez-la cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie et qu'à l'heure que je parle, on t'amène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais que vite cette somme. Dépêchez donc vite, monsieur, je tremble que l'heure me sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus? Oui. Que diable allait-il faire à cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autres promenades? Cela est vrai, mais faites promptement. Oh, maudite galère! Cette galère me tient au cœur. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle dût me mettre si tôt ravie. Tiens, va t'en racheter mon fils. Bravo. Bravo, les jeunes filles. Bravo. Spire. Une tirade, c'est un dialogue entre un dealer et un acheteur. Je vais vous lire une tirade du dealer. C'est la solitude des chantretemps de Bernard Marie-Colter. Ne vous fâchez pas, petit père, ne vous fâchez pas. Je suis qu'un pauvre vendeur qui ne connaît que ce bout de territoire où j'attends pour vendre, qui ne connaît rien que ce que sa mère lui a appris. Et comme elle ne savait rien, ou presque, je ne sais rien non plus, ou presque. Mais un bon vendeur tâche de dire ce que l'acheteur veut entendre. Et pour tâcher de deviner, il faut bien le lécher un peu pour en reconnaître l'odeur. Votre odeur à vous ne me fut point familière. Nous ne sommes en effet pas sortis de la même mer. Mais afin de pouvoir vous approcher, j'ai supposé que vous êtes bien sortis d'une mer, vous aussi comme moi. Supposé que votre mère vous fit des frères, comme à moi. En nombre incalculable, comme une crise de hockey après un grand repas. Et que ce qui nous rapproche en tous les cas, c'est l'absence de rareté qui nous caractérise tous deux. Et je me suis accroché à ceci, du moins que nous avons en commun, car on peut voyager longtemps dans le désert à condition d'avoir un point d'attache quelque part. Mais si je me suis trompé, si vous n'êtes pas sorti d'une mer et que personne ne vous fit de frère, que vous n'avez pas de petite fiancée qui se réveille avec vous le matin dans vos draps, petit père, je vous demande pardon. Deux hommes qui se croisent n'ont pas d'autre choix que de se frapper, avec la violence de l'ennemi ou la douceur de la fraternité. Et s'ils choisissent à la fin, dans le désert de cette heure, d'évoquer ce qui n'est pas là, du passé ou du rêve ou du manque, c'est qu'on ne s'affronte pas directement à trop d'étrangeté. Devant le mystère, il convient de s'ouvrir et de se dévoiler tout entier, afin de forcer le mystère à se dévoiler à son tour. Les souvenirs sont les armes secrètes que l'homme garde sur lui lorsqu'il est dépouillé, la dernière franchise qui oblige la franchise en retour, la toute dernière nudité. Je ne tire de ce que je suis ni gloire ni confusion, mais parce que vous m'êtes inconnu,
et plus inconnu encore à chaque instant, eh bien comme ma veste que je me suis ôtée et que je vous ai tendue, comme mes mains que je vous ai montrées désarmées, si je suis chien et vous êtes humain, ou si je suis humain et vous autre chose que cela, de quelque race que je sois et de quelque race que vous soyez, la mienne du moins, je l'offre à vos regards. Je vous laisse y toucher, me tâter, à vous habituer à moi, comme un homme se laisse fouiller pour ne point cacher ses armes. C'est pourquoi je vous propose, prudemment, gravement, tranquillement, de me regarder avec amitié, parce qu'on fait de merveilleuses affaires sous l'abri de la familiarité. Je ne cherche pas à vous tromper et ne demande rien que vous vouliez donner. La seule camaraderie qui vaille la peine qu'on s'y engage n'implique pas d'agir d'une certaine manière et de ne point agir. Je vous propose l'immobilité, l'infinie patience et l'injustice aveugle de l'ami. Puisqu'il n'y a pas de justice entre qui ne se connaît pas, il n'y a pas d'amitié entre qui se connaît, pas plus qu'il y a de pont sans ravin. Ma mère m'a toujours dit qu'il était sot de refuser un parapluie lorsqu'on sait qu'il va pleuvoir. De sa génération et un des deux ou trois meilleurs traducteurs du français de Jean Guessard. Bonjour. Je vais vous lire un extrait des Justes de Camus. C'est une œuvre théâtrale relativement peu connue, du grand public tout au moins. Il s'agit en fait globalement d'un groupe de terroristes qui a décidé d'assassiner le grand-duc de Russie. Ce groupe de terroristes est en fait un amalgame assez bizarre, puisqu'il y a un extrémiste qui s'appelle Stéphane et les autres. Alors, vu le nombre d'intervenants, si vous voulez, vous allez comprendre au ton de ma voix, je ne lirai pas les noms des personnages, mais vous allez comprendre au ton de ma voix qu'il y a en fait, face à Stéphane, un groupe de terroristes modérés, si l'on peut dire. Le but c'était de tuer ce grand-duc, et l'un des terroristes, parmi les modérés, n'a pas jeté la bombe sur le carrosse, parce que dans le carrosse il y avait deux enfants. Donc il a reculé. Et Stéphane, lui, face aux autres, est très très énervé parce que le terroriste en question n'a pas fait ce qu'on lui avait commandé de faire. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison, ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons échapper définitivement cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Alexis ? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick, mais je ne suis pas sûr de moi. Mes mains tremblent. Dora ? J'aurais reculé comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même, je ne pourrais pas faire ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision ? 2 mois de filature, de terribles dangers couru et évité, 2 mois perdus à jamais, Igor arrêté pour rien, Rykov pendu pour rien, et il faudrait recommencer ? Encore de longues semaines de veille et de ruse, de tensions incessantes, avant de retrouver l'occasion propice ? Êtes-vous fou ? Dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre, tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris. Tu l'as dit toi-même. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant ? Je le pourrais si l'organisation le commandait.
fermes-tu les yeux ? Moi, j'ai fermé les yeux ? Oui. Alors, c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage. Rejette la révolution, et si le peuple entier pour qui tu luttes refuse que les enfants soient tués, faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut, et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora, tu es une femme et tu as une idée malheureuse de l'amour. Oui, j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. La honte? J'ai eu honte de moi-même une seule fois et par la faute des autres quand on m'a donné le fouet, Dora. Car on m'a donné le fouet. Le fouet, vous savez ce qu'il est? Vera était près de moi et elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte, mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur deux tableaux, comme le proposait Fno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire, en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviendra seulement ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure, nous lancerons des bombes contre ces deux enfants. Des enfants! Vous n'avez que ce mot à la bouche, ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces deux-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les deux chiens savants du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous donc dans le seul instant? Alors, choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour, non la révolution qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela n'est déjà pas facile, mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyiez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel
la face des vrais dieux, que pèserait la mort de deux enfants ? Et vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez ? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Eh bien, une très belle dernière lecture pour aujourd'hui. Je suis très émue. Merci beaucoup, Jean-Louis. Vraiment très émue. C'est une très très belle lecture de Camus. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir été patient. Et puis, eh bien, je ne peux que souhaiter pour l'année prochaine qu'on se retrouve tous de nouveau ensemble avec encore de nouvelles lectures. On va essayer de trouver encore une idée. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Eh bien, j'aimerais qu'on s'applaudisse encore une fois.